Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Parlons peu, parlons pâle, dont le sujet porte sur préhistorique planète. Alors aujourd'hui, je me retrouve déjà avec les cinq compères qui m'ont accompagné dès le début. Donc premièrement, Karchan Ossif. Bonjour à tous. Le grand Edouardino. Ah oui, c'est moi. L'ami Venator. Bonjour. Et le fameux FL Reptile. Bonjour. Mais pas que. Aujourd'hui, on accueille un nouvel invité et pas des moindres. Nous accueillons Valeoraptor. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, oui, bonjour Nico, bonjour tout le monde. Et je suis donc Valeoraptor, diplômé d'un master en paléontologie et paléenvironnement, mais spécialisé non pas sur les dinosaures, mais sur les phalins de l'Anjou, une roche de vieille de 11 millions d'années qui comporte beaucoup de fossiles. Et je suis également vulgarisateur, donc sur YouTube, sur le pseudonyme Valeoraptor, ça change pas de nom, c'est super. Et je suis également président de l'association Paléosphère et membre du Café des Sciences. Mon futur patron. Non, je... alors, aujourd'hui, c'est le troisième épisode de Préhistoric Planète qui porte pour nom Freshwater, en français, eau douce. Fleuves, rivières et autres bilabongs, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et petit tour de table en commençant par justement par Valeoraptor. Qu'est-ce que tu as pensé non seulement de cet épisode, mais aussi de ton ressenti sur les deux précédents? Alors, pour les trois premiers épisodes dans l'ensemble, je trouvais que le premier, ça allait... Bon, disons que c'était un peu plus que la moyenne des autres documentaires que j'avais vus. Mais ça, c'est le côté marin qui joue beaucoup là-dessus. J'adore le milieu marin, donc forcément, tu me proposes un épisode spécialement sur les environnements comme ça, forcément, j'ai adoré. Mais il y a eu certains trucs, ça a été un petit peu trop. Clin d'œil Ammonite, hein, Venator. Le deuxième épisode, j'ai moins bien aimé que le premier parce qu'il y avait trop de trucs un peu trop bizarres, trop poétique. J'ai trouvé trop poétique l'épisode. Et là, le troisième, là pour moi, ça a été plus catastrophique que les deux autres. Bien, d'accord. Edouard, est-ce que tu partages? Pour cet épisode, je suis un peu mitigé. Pour moi, il avait beaucoup d'éléments qui étaient censés m'intéresser. Je vais pas entrer en détail, on va le faire tout à l'heure, mais bon, c'est un gros fail sur bon nombre de points. Et c'est assez frustrant. Il y avait beaucoup de choses qui étaient assez originales par rapport à d'autres docufictions qui auraient dû marcher. Et là, je suis assez déçu. Il y a quand même quelques bons points notables. Hein. Tout n'est pas acheté. Mais là, pour le coup, on a atteint des énormités vraiment terribles. Il y en a certaines, je ne comprends pas comment personne n'a pu dire quoi que ce soit là-dessus. C'est assez bizarre. Donc ouais, un ressenti un peu mitigé là-dessus. Douche froide, quoi. Ok, je vois. FL, à ton tour. Ouh là là. Concis, s'il te plaît. C'est très beau, mais encore une fois, il y a des choses à dire, donc on va en discuter. Oh là, très concis, effectivement. Karcha, vas-y, à toi. Alors, la dernière fois, il a fallu un glaçon pour me calmer, là, il a fallu un iceberg. très certainement, une des pires choses que j'ai vues cette année. Et bon, je l'ai vu en VF, donc en VF, j'ai préféré la VO. Là, je le place parce qu'on pourra peut-être pas le placer après. Mais c'est une purge. Il y a encore moins de choses à sauver, donc parez-vous. Et Venator, d'y voir. Ben, je sais pas trop quoi dire de plus, à part que auparavant le docu faisait beaucoup d'erreurs sur le fond et pouvait potentiellement se rattraper sur la forme pour que ce soit quand même agréable à regarder. Et là, ben non, il s'est pas rattrapé sur la forme cette fois-ci. Il a fait des conneries sur la forme aussi bien que sur le fond. Je vois. Et ben moi, je vais être un peu l'avocat du diable de cet épisode parce que moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Pour moi, c'est mon préféré. J'ai trouvé que niveau spéculation, c'était quand même le moins lourd à ce niveau-là. Il y a de la spéculation abusive, certes, mais je trouve qu'elle est moins violente que dans les autres épisodes. Je pense notamment au deuxième épisode qui, pour moi, est le pire. Un truc que je dois bien noter, niveau scène et présentation de l'épisode, ça suit en fait le cours de la rivière, vu que c'est l'eau douce. On commence donc dans des endroits de type canyon, avec des cascades, bref, plutôt dans les montagnes. On descend ensuite dans des rivières, ça commence à stagner un peu quand ça arrive en plaine, ça fait des marais, ça fait des plaines inondables, ça fait des choses comme ça. Ensuite, ça se calme encore plus et ça fait des bancs de sable avec de l'eau. Et à la fin, on finit donc avec les estuaires. Donc ça, c'est bien, j'ai trouvé un truc que j'ai trouvé bien. La construction de l'épisode suit le cours de la rivière et je vous propose donc de faire de même. Nous commencerons donc avec l'amont et Vélociraptor. On retrouve Vélociraptor dans cet épisode qui, au lieu d'affronter son ennemi de toujours qui est Protoceratops,
a décidé d'aller chasser un ptérosaure dans son milieu naturel, des falaises escarpées. Alors, on nous montre et on nous dit que le Velociraptor est un animal agile et qu'il arrive quand même à se débrouiller relativement bien sur ces falaises. Ils finissent par en attraper un et la femelle se barre avec dans un groupe de trois Velociraptors. Car oui, dans cet épisode, ils chassent en meute. Alors Eiffel, je sais que tu nous avais déjà raconté cette histoire de chasser en meute dans le dernier épisode. Pourquoi pas un petit rafraîchissement de mémoire? Alors, pour faire très vite, donc, classiquement, les droméosaures sont petits, ils vont chasser en meute, comme les loups, les lions, enfin bref, analogie avec des mammifères actuels qui ont des vraies chasses coordonnées. Donc c'était ce qui avait été vendu pendant longtemps. Sauf que, bon, alors malgré le fait que déjà les informations paléontologiques, quand on les regardait en vrai, ça invitait à se poser des questions et à pas accepter ce modèle, ou à pas le considérer comme la chose ultra véridique mal nuancée, grâce à une récente étude avec l'outil géochimique sur des dents de Deinonychus, on a pu vérifier et tester le fait que. Finalement, non, il n'y a pas de meute puisque les jeunes se nourrissaient pas des mêmes choses que les adultes. Parce qu'il y avait deux signatures chimiques différentes. Or, Deinonychus, c'est rigolo parce que c'est un peu de cette espèce qu'en fait est venue cette idée des raptors en meute et qu'on a ensuite inféré à tous ses cousins. Donc, par conséquent, infirmer Deinonychus, c'est un peu l'infirmer pour tout le monde. Voilà, on va laisser ça de côté. Alors là, pour ce qui est de cet épisode, on va en reparler après de ce qui se passe, mais en gros, voilà, donc pour l'instant, il vaut mieux considérer que non, les raptors ne chassent pas en meute, et pour l'instant, c'est ce que nous montre la paléontologie. Ils ne font pas des meutes coordonnées. D'accord. Alors, ce que j'avais compris dans cet épisode, c'est que c'est une troupe de trois vélociraptors, entre guillemets, de nature solitaire, qui se regroupent dans un endroit avec pas mal de proies pour les chasser. Tu penses que ça, c'est un peu plus plausible? Tu sais que ça arrive notamment un attroupement de crocodiles, qui sont en général, ma foi, solitaires, pour chasser les gnous lors de la saison de la migration. Est-ce que c'est une analogie pertinente avec les vélociraptors qu'on a là? Pour moi, oui, avec du recul, en ayant regardé l'épisode, oui. Pour moi, ça va. C'est pas, voilà, ils sont pas coordonnés pour une grosse proie. Ils sont juste ensemble pour aller dans une zone où il y a de la nourriture. Et effectivement, après, ils chassent pas ensemble. Donc, l'analogie avec les crocodiles, notamment du Nil, bien sûr. Je pense que c'est l'analogie moderne qui est la plus facile à faire comprendre aux gens, parce qu'il y a eu beaucoup de documentaires sur justement les crocodiles du Nil en Afrique, et on voit très bien que les animaux sont souvent ensemble, et que quand il y en a un qui attrape quelque chose, ils viennent tous manger, ou alors juste ils sont tous au même endroit, et chacun va s'attraper son petit truc à manger, ce qui est plus là le cas de l'épisode pour les vélociraptors, hein, effectivement ils sont ensemble, et ensuite ils vont manger, voilà, chacun ils cherchent leur proie, ils sont pas là à être en mode à vouloir aider le copain à piéger tel ou tel ptérosaure. Non, ils sont juste ensemble. Et d'ailleurs, alors pour le coup, là, je tiens à le souligner, parce que comme à chaque fois, donc, le consultant principal d'Arin Neich avait fait un trade sur Twitter. Et ça, c'est quelque chose qu'il a tenu à préciser dans son trade. Et donc je pense que le fait que là, on en parle et que c'est ce qu'on a ressenti ou compris, c'est bien, il a vraiment fait un tweet que sur ça pour bien dire il ne chasse pas en meute. Je crois que de mémoire il avait dit chasser en groupe, allez vérifier ceux qui veulent, mais grosso modo c'est ça. C'était, voilà, il tenait vraiment à dire c'est pas une chasse en meute, ils sont juste là ensemble. Donc je pense que oui, c'est bien restitué l'analogie avec le crocodile, pas complètement, c'est la plus simple, voilà. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une fausse meute ou chasse de groupe, ça marcherait aussi, tiens d'ailleurs, pour vulgariser le truc, voilà. D'accord. Mais c'est pas une meute. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de chef, il n'y a pas, voilà. Voilà, d'accord. Il me semble qu'on avait vu ça aussi chez les oiseaux de proie, mais ça, c'est des exemples un peu plus épars. Merci, Eiffel. Et maintenant, on va continuer sur Velociraptor avec notamment son sens de l'équilibre. Alors, c'est une scène qui vous a tous ici un peu vraiment refroidi, hein, si je m'abuse. Et notamment, Edouard a quelque chose à dire sur ça. Notamment sur le fait que sa queue avec des plumes l'aide à tomber. Allez, développe-nous, Edouard.
Non, alors c'est juste un... Alors c'est un ressenti personnel, alors j'ai quand même cherché voir s'il y avait quelque chose de pertinent à ce sujet, que ce soit pour Vélociraptor ou pour des animaux modernes. J'ai pas trouvé grand chose de probant, à vrai dire, je remets dans le contexte vite fait, mais bon. On a Vélociraptor qui dévale des falaises escarpées vraiment très pentues, hein. Les alpinistes en sueur, et il dévale comme ça, comme en faisant du ski, parce que la queue, en fait, est censée l'aider à se rattraper. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a des plumes. Enfin... j'ai vu ça, j'étais à deux doigts d'arrêter l'épisode, je me suis dit déjà ça m'énerve quoi. Enfin, c'est encore une fois une justification de pourquoi on a fait ce choix-là, avec un truc que je trouve vraiment pas nécessaire. Quand bien même déjà ça aurait pu l'aider, admettons, je pense qu'il y a infiniment d'autres fonctions à quoi elle aurait pu servir à part celle-là. Donc, franchement, c'est une scène que j'ai trouvée pas du tout crédible. Et le commentaire du narrateur qui dit que cette queue sert à se rattraper, j'ai vraiment... j'ai pas compris le choix qui était derrière. Ça m'a un peu... ça m'a refroidi, vraiment. D'accord. Si je peux me permettre un tout petit truc, Edouard, je sais pas ce que t'en penses. C'est un peu en question aussi pour toi, Edouard. Mais sans être méchant, moi j'aurais bien aimé que justement le Vélociraptor qui tombe, justement, il meure. Parce que déjà, il a un squelette quand même qui est alors fragile, même s'il tente d'amortir tout ce qui veut de la chute, on le fait quand même tomber d'une falaise, donc devrait y avoir des dégâts. Les os, ils sont bien fragiles quand même. Encore une fois, je pense que l'amorti. Était à tempérer. Et de deux, parce que dans la nature, les prédateurs, des fois, ils se plantent, et des fois, ils se plantent tellement qu'ils meurent. Et donc, justement, Préhistorique Planète qui veut faire comme si c'était vrai, c'est bien de montrer des prédateurs qui meurent en tentant d'attraper leur proie, parce que c'est dans la nature. Ça, c'est la réalité, ça s'observe. Je suis entièrement d'accord, en fait. C'est là où je trouve pas ça crédible, c'est qu'on dirait que c'est prévu. Quand j'ai vu qu'ils allaient chasser dans des falaises qui ressemblaient à ça, je me suis dit, je sais pas ce qui se passe avec ces Vélociraptors. J'espère qu'ils sont sûrs de leur coup. Parce que, ok. Et alors, franchement, à la rigueur, la voir justement se ratale, pour parler un peu familièrement, ça aurait été justement peut-être plus intéressant, en se disant que, c'était un mauvais plan, quoi. À la rigueur, et en disant que justement, les prédateurs, quand ils... C'est pas une vie facile, d'être un prédateur. On a toujours l'impression, quand c'est Jurassic Park, les carnivores, ils sont trop bien, parce qu'ils mangent tout le monde, c'est les rois. Non, mais c'est pas facile de chasser. tu t'exposes constamment au danger à chaque fois que tu fais ça. Donc c'est vrai que là, je suis assez d'accord avec toi, je pense que ça aurait été plus intéressant à la rigueur. Effectivement. Alors, Karcha, me semble-t-il, tu as un mot à dire sur ça? Tout a été dit, mais j'ai pas grand chose à rajouter à part que cette scène, c'est très certainement maintenant la pire de tous les épisodes. Quand t'es un raptor, je veux bien qu'il y ait des proies, mais prendre le risque de crever pour aller chercher un ou deux ptérosaures alors que tu pourrais aller les chercher quand ils sont posés autre part, à un moment donné, il faut réfléchir 5 minutes dans sa tête. Je veux bien que ça soit un raptor, etc., mais je pense qu'il peut réfléchir 2 secondes. Et puis le fait qu'après il tombe. Il fait quand même une chute assez brutale, surtout que c'est des cailloux, et dans mes souvenirs, en plus, il tombe sur la colonne. Au pire, s'il n'est pas mort, il se relève pas. Et là, le truc, il se relève automatiquement. À un moment donné, je veux bien qu'ils veulent faire un truc un peu pour les gosses, qui est pas forcément de mort en écran, etc. Voilà, c'est pas forcément la mort la plus dure du monde. Il tombe, t'es pas obligé de mettre une giclée de sang, il tombe, il meurt, voilà, c'est tout. Sachant qu'ils avaient fait ça dans l'épisode 2 avec le Barbarie Dactylus, quand il se crache. Oui, bon après on va dire que vu que c'est Raptor, je pense qu'il y a plus d'attache, certainement peut-être l'effet Blue, vu que les gens aiment bien les Raptors, ils n'ont pas forcément envie de les voir mourir, je sais pas si c'est ça ou pas, et peut-être que c'est un animal auquel on s'attache plus, mais là je vois pas l'intérêt de pas le tuer, il faut aussi montrer que dans la nature, il n'y a pas que les proies qui sont tuées, à un moment donné, c'est aussi le prédateur qu'on prenne plein leur gueule. Cette scène-là, il n'y a vraiment rien qui va, par contre, je tiens à préciser, en français, il dit la même chose qu'en anglais. Donc, sur ça, il n'y a pas trop de différence. Et au moins, la version française rend la scène un peu drôle parce que cette scène, déjà, est totalement débile. Donc, mettre un truc sérieux dedans, sachant qu'il n'y a rien qui va dedans, je préfère avoir un truc un peu drôle plutôt que David Attenborough qui me raconte sa vie à l'hospice pendant 40 ans. Donc, voilà, cette scène n'a strictement rien à faire là. On aurait clairement pu se passer des Vélociraptors. Voilà, rien à dire. Cette scène-là, c'est moins 4 sur 20. Alors, FL, un petit mot de la fin, peut-être, sur cette scène, avant qu'on passe.
Oui, alors juste parce que c'est intéressant d'un côté qui montre le fait que Velociraptor va manger donc un as d'archidée, Pterosaur. Parce qu'on a eu en 2012 une étude qui justement nous parlait de ça, de restes d'as d'archidée consommés par Velociraptor. Sauf que, et c'est là où je vais rejoindre Carfa dans le sens, c'est assez quand même plutôt mauvais, c'est que ce reste d'as d'archidée, l'étude en fait de ces os, montre quand c'était un as d'archidée déjà mort. Le Velociraptor est allé consommer une carcasse d'as d'archidée, il n'est pas allé chasser un as d'archidée vivant. Et cette publication était d'autant plus intéressante que, au passage, elle avait tenté d'un peu réévaluer justement le comportement alimentaire de Velociraptor, mais aussi des droméosauridés. Et cette étude avait notamment conclu que, par le passé, on avait un peu trop tendance à considérer à tort les Velociraptors uniquement comme des prédateurs purs, sauf que l'ensemble des fossiles disponibles et des études du coup de taphonomique qu'on a pu faire tendent au contraire à montrer qu'ils ont eu un rôle très important dans les écosystèmes en tant justement que charognards. Donc ça, je pense que c'est un point où Préhistorique Planète a particulièrement raté le coche. C'était justement de casser cette image des droméosaures et notamment de Velociraptor en tant que full prédateur, alors qu'au contraire, la consommation de carcasses, c'était une activité qui avait l'air d'être très fréquente dans leur alimentation. Et moi d'ailleurs, c'est une raison qui a fait que cette année, c'est la petite parenthèse, mais quand je parle aux gens des droméosaures et quand j'en ai redessiné, je me suis inspiré plutôt de vautours. Parce que je trouve ça en fait vachement cool, cette vision de Velociraptor et d'autres droméosaures plutôt charognards. Et surtout, il y a des éléments derrière qui soutiennent ça. Je vois. Et bien justement, donc, si vous voulez dessiner des droméosauridés en vautours, c'est valable, hein, les vautours ont un mode de vie similaire aux droméosauridés sur certains aspects. Tout ce qu'il faut, c'est que s'ils tombent, vous faut les faire mort. Ne faites pas mieux. Bah, la gravité doit faire son effet. Alors restons en amont, mais descendons un peu plus loin dans la rivière. On retrouve notre ami Tyrannosaurus Rex. Alors je ne sais pas si c'est Hank, hein, donc celui du premier, mais en tout cas, on retrouve un Tyrannosaurus blessé. Il est vieux, il a des blessures de guerre, dont une qui est particulièrement récente et profonde. Il s'en va donc à la rivière pour la nettoyer. Et surprise, un autre tyrannosaure arrive. Mais c'est une femelle, bien plus jeune que lui, qui arrive. Ça reste une rivale, mais pourtant, ça n'empêche pas le tyrannosaure de commencer à la séduire. Alors, d'une manière relativement particulière, dirons-nous, en lui exposant notamment son ventre, qui n'est pas mou pour le coup. Bon, la femelle accepte, et ils vont ensuite faire le miracle de la vie derrière des branches. Alors, revenons à Karchan Lossif, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette parade ? Commence par quoi, le mauvais ou le mauvais ? Le mauvais, vas-y. Non, en vrai, plus sérieusement, on retrouve encore une fois la thématique un peu de la famille, un peu de la séduction, voilà, dans cet épisode-là. Bon, c'est quand même quelque chose qui avait été qui est pratiquement toujours abordé quand il y a du T-Rex, hein, ça avait déjà été fait par exemple sur la Terre des dinosaures. Bon là, c'est un peu différent. On a la phase de séduction qui est différente. Pourquoi pas ? Je dis pourquoi pas. C'est cool. Ça permet de montrer le T-Rex dans d'autres choses que il mange ou il chasse. C'est pas mal. Le gros problème que j'ai avec ça, c'est que comme tu l'as dit, un T-Rex femelle reste un rival. C'est potentiellement, sachant que t'es blessé, t'es un peu quand même affaibli, t'es une proie plutôt facile. Il y a pas zéro chance qu'elle ne t'attaque pas. Là, le gros problème, c'est que, comme un animal qui le fera dans un épisode après, il va un peu s'ériger sur ses pattes pour montrer son ventre, mais surtout son cou, pour séduire la femelle. Alors moi, si je suis une femelle qui a faim et qui n'est potentiellement pas intéressée par le bougre qui est devant moi, je vais l'attaquer à la gorge et je vais le tuer. J'ai aucune raison de ne pas le faire. Sachant que le T-Rex mâle n'a aucune idée des intentions de la femelle. Il n'y a pas de signe qui montre qu'elle a envie de s'accoupler. Donc là, à part si le T-Rex n'a aucun instinct de survie, ou alors si la blessure l'a vraiment sonné comme pas possible, son comportement n'est pas très très intelligent pour un instinct de survie. Enfin, je trouve ça très tiré par les cheveux. Surtout que, par le miracle, ça marche. Hein. D'ailleurs, il n'a pas fait grand-chose, hein, mais la femelle elle se dit « Ok, il est cool ». Allez, viens, on va faire des bébés. Un peu simple comme parade, sachant qu'il n'y a rien sur le T-Rex qui peut séduire, là, à part bon, peut-être sa taille. Il me semble que Tyrannosaurus Rex, surtout les mâles, hein, il y a un dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles,
où les mâles tyrannosaures ont des petites excroissances de kératine sur le visage plus développées que chez les femelles, là où les femelles sont normalement plus grandes que les mâles. Justement, en fait, ça, effectivement, mais le problème, c'est qu'il lève la tête, donc la femelle ne le voit pas. Alors là, je vous dis objection, votre honneur, non, je suis désolé. Bah voilà, ouais. Si, même si ça existe, en tout cas, c'est débile. Mais... Le seul dimorphisme qui est explicité, et encore, il y a un peu de débat, c'est la possession d'un tissu osseux particulier qu'on appelle l'os médulaire. Qu'on retrouve dans les, notamment les fémurs, en fait, des femelles qui vont accumuler le calcium pour la coquille. C'est le seul dimorphisme qu'il y a. En termes osseux, sur le crâne de T-Rex, il n'y a aucun dimorphisme sexuel. Et ça, ça a été notamment démontré en 2020 par une fantastique étude de Thomas Carr sur la croissance des T-Rex et la morphologie de leur crâne. Pas de dimorphisme à ce niveau-là. Ok, donc Nico, tu essaies de saboter l'épisode alors qu'il est déjà dans le caca, toi. Okay, alors par contre, non. Mais par contre, un truc qui peut aller dans le sens de Nico, mais là on peut pas avoir de preuves, c'est une étude, pareil, qui doit dater de 1 ou 2 ans, mais là j'ai plus l'année en tête. Ça s'était intéressé aux crocodiliens de maintenant. Donc vous aviez notamment le gavial, le mâle, il a un dimorphisme sexuel assez marqué, il a une grosse bosse sur le bout du museau. Les chercheurs se sont rendu compte qu'en fait, de cette grosse bosse qu'il a au bout du museau, le gavial mâle, il y a aucune trace sur ses os. Peut-être que, comme tout de même, T-Rex, il a une grosse tête qui est voyante. Peut-être que les mâles, ils avaient des apparats dessus. Mais peut-être que ces apparats ne peuvent pas se fossiliser, à l'instar de la bosse du gavial de maintenant. Parenthèse. C'est possible. Après, c'est peut-être, mais c'est pas démontré. Et encore une fois, pour l'instant, on peut pas dire un T-Rex, c'est un garçon, c'est une fille, sauf si on lui coupe son fémur. Mais le problème, c'est que je l'ai pas vu. Enfin, j'ai pas vu de différence entre le mâle et la femelle dans Préhistorique Planète, par peut-être la taille. Encore, je suis même pas sûr. Je crois que le petit, peut-être un peu la taille, mais le problème, c'est que le mâle est plus gros, mais parce qu'il est plus vieux. Voilà. Mais imaginons, c'est vraiment ça. Bah du coup, le T-Rex, il a encore moins intérêt à lever la tête pour pas qu'on voit justement cette bosse sur le museau. Donc là, il y a vraiment rien qui va. Et bon, après, ils vont faire le miracle de la vie. Et alors ça, c'est un problème qui va surtout être développé après avec Quetzalcoatlus, donc ça sera fait par Nico Edouard Eiffel. Mais ils te sortent des chiffres. Alors je les ai plus sous les yeux s'il y en a qui les ont. Ils te sortent des chiffres pour le nombre de bébés faits par les T-Rex. Peut-être une quinzaine, il me semble. Et ils s'accouplent plusieurs fois en plus. Ça, ils le disent. Alors, oui. Ils s'accouplent plusieurs fois par jour. Alors je sais que ça. Je vois l'analogie avec le lion. Hein. Les lions, ils se reproduisent quand même, ma foi, relativement régulièrement pour vraiment assurer la descendance. Mais là, quand même. Bah là, c'est un peu gros, surtout que bon. Le T-Rex, déjà, il est pas très très en forme là. Donc, il y a vraiment des trucs bizarres. Et ces chiffres-là, je trouve qu'ils les sortent un petit peu de leur derrière. Il y a rien qui, il y a pas de source encore une fois, donc ça on peut pas, voilà, on peut rien dire. Mais bon, voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour pas prendre plus de paroles. Mais cette partie-là aurait pu être très sympa. Aller gâcher par, voilà, ils ont essayé de faire la même chose que le Cardo avec le fait qu'il est bon. Heureusement, il n'écarte pas les bras. Hein, il a pas fait Jésus. Mais il y a vraiment rien qui va là-dedans. Pour moi, cette scène-là elle est moins bien que celle de l'épisode 1. D'accord. Quelque chose à rajouter? Moi, je corrobore ce que Karchai dit aussi. Lever la tête comme il l'a fait pour impressionner la femelle, c'est exposer son cou, donc les artères principales du cou, vitales. Et si la femelle n'aurait pas été OK pour faire une affaire avec lui, le T-Rex aurait été directement exposé à une morsure. C'est pas une bonne idée. Bon, eh bien merci. Donc... Nous arrivons donc dans la formation de Nemekt, Mongolie, dans une zone de plaine inondable, où donc poussent, lors des saisons des pluies, des algues, dont se nourrit une créature que ça fait quand même plaisir de voir, Deinocherus mirificus. Alors le bonhomme est tranquillement en train de se balader dans ce marais, à manger, mais des petits insectes perturbateurs lui tournent autour de la tête. Ce sont des tans, hein, et il faut donc trouver un moyen de les enlever. Ça tombe bien, un vieil arbre est à côté, c'est pratique. Il se gratte. Une fois ce travail fait, il va donc faire ressortir les nutriments de l'autre côté. Je vais peut-être pas développer sur ce sujet, vous avez tous bien en tête. Ce qui se passe, Val, bon, t'as entendu un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous redonner ta voix sur ce que tu as pensé de cette scène de Deinocherus? Moi j'ai retenu surtout la scène où il défèque, parce que c'est un peu dans l'ambiance de l'épisode. Enfin bref, j'ai bien aimé le voir parce que bah, il a été notamment décrit par une paléontologue qui s'appelle Alska Osmolska, qui a décrit pas mal d'oviraptors dont je suis fan, donc forcément ça fait plaisir de le voir.
Et effectivement, l'environnement est assez intéressant pour cet animal. Il y a également un plumage très développé. Alors, ça me faisait peut-être plus penser à un dinosaure Rasta, mais après, ce qu'il en est sur les plumes, je pense que je laisserai quelqu'un de plus compétent que moi d'en parler pour cet animal, puisque je n'ai pas plus d'infos. Et pour ce qui est des griffes, en fait, la voix off dit à un moment qu'il utilise ses griffes de la patte avant pour faire remonter les algues vers le haut de l'eau pour pouvoir les brouter plus facilement. Alors, de ce que j'ai vu et lu, je n'ai pas vu de telles théories dans le milieu scientifique. Là, si on regarde, bon, vite fait, des hypothèses qui ont été faites dans les années 80 par un paléontologue nommé Paul qui avait dit qu'il utilisait ses griffes et ses bras comme moyen de défense, qui sont effectivement très démesurés pour cet animal. Et d'un autre paléontologue russe, cette fois, Rodeskinski, enfin bref, un nom impossible à prononcer, il a carrément proposé que c'était un animal grimpeur. Bon, là je rigole, mais franchement, honnêtement, il n'y a peut-être pas de source scientifique à ma connaissance sur cet aspect-là de l'utilisation des griffes, mais je trouvais l'idée très intéressante, donc pourquoi pas. Ouais, je vois. Alors, moi, Deinocérus, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. Au début, j'avais peur de cette scène, je vous le dis, car je n'arrêtais pas de voir sur le magnifique réseau social qui est Twitter, bien sûr, des faux avis, notamment pour le niveau caca, hein, où, selon ce que j'ai vu, il secouait la queue violemment, comme les hippopotames, pour vraiment bien élargir le truc. J'ai eu peur, j'ai vu le documentaire, et j'ai été bien rassuré, parce qu'en fait, il lâche, et il balaye un peu la queue, tu sais, comme un dinosaure balayerait la queue pour parce qu'il a envie de le faire. Au hasard et par pirer le machin. Globalement, j'ai beaucoup aimé cette scène. Il est juste tranquillement là, il mange, il est mouillé, il est tranquille, il fleurit dans cet environnement relativement lacustre. J'aime bien comment il est fait aussi, ses couleurs qu'il porte et juste son plumage. Alors, Deinocérus est un ornithomimosaure, je sais plus, dont font partie les dinosaures autruches un peu plus classiques, comme Gallimimus par exemple. Et on a fortement tendance à représenter tout ce petit beau monde avec des plumes. Alors, Deinocérus, j'ai vu quelque part qu'il en avait sur les bras, au bout de la queue et peut-être sur sa bosse et un peu sur sa tête. Mais j'en connais un ici qui en parlera mieux que moi. Allez, vas-y, prends la parole. Rebonjour, ça va être le relou de service. Non, c'est juste au montage, c'est chiant. Non, t'inquiète. Ce cher Deinocérus, c'est des plumes. Alors, comme tu l'as dit, donc c'est un ornithomimosauria. Donc, voilà, c'est les cousins de Gallimimus et compagnie. Alors, sur les ornithomimosaures, notamment nord-américains, on a des traces, on a une bonne idée plumage qu'ils pouvaient avoir. Sauf que là, Deinocérus, on est sur un autre modèle. Là, on est sur du pixel. Donc, déjà, là, ça change la donne parce qu'il va y avoir donc la surface de l'animal qui entre en jeu. Il y a aussi son environnement. Alors, même si par moment, il semblerait qu'il ait fait un petit peu froid, ce qu'il faut plutôt prendre en compte, c'est le couvert forestier de Nemect. Nemect, vraisemblablement, c'était pas le désert, hein, c'était quand même bien végétalisé, notamment avec de la haute végétation. Alors du coup, lorsqu'on prend tout ça en compte, moi, je trouve, alors là, c'est à titre personnel, lorsqu'on prend un peu toutes les publications, il y a notamment le groupe alors des tyrannosaures, hein, donc les tyrannosauroïdes, où on s'est intéressé justement à l'évolution au cours du temps dans le groupe, du fait de posséder ou pas des plumes sur le corps. Et on voit que même si les environnements ils sont un peu froids, parce que notamment elle crée qu'en Amérique du Nord il fait un peu froid par moment, T-Rex apparemment il s'en sort très bien. Donc pour Deinocérus, ça mène à la question suivante: il est grand comme T-Rex, il fait un peu froid mais pas tant que ça non plus, hein, là où il vit à Nemect. Donc sur ces bases là moi je tendrais plutôt à dire il lui faut pas beaucoup de plumes. Après, il y a cet autre point où, il est quand même dans un environnement qui était peut-être couvert. Et ça, on sait si on regarde des grands mammifères de maintenant, par exemple, notamment des rhinocéros asiatiques. Les rhinocéros asiatiques ont plus de poils que ceux d'Afrique qui vivent dans des terrains ouverts. Et donc là, ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on peut pas savoir pour Deinocérus, mais en fait, c'est à quel point, justement, est-ce qu'il vivait plus dans un milieu ouvert ou fermé ? S'il vivait plus dans un milieu fermé, il peut effectivement tout de même avoir, sur le corps, je pense que c'est pas dérangeant, quelques plumes. Alors, pas autant
qu'un mode Rasta, comme l'a dit Val. Mais un petit peu. Moi, je pense tout de même que Préhistorique Planète a fait beaucoup trop là, de plumes sur leur Deinokérus. Enfin, je pense qu'il en a, qu'il y ait des plumes, pourquoi pas. Mais là, il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup trop. Quoi. Voilà. Et moi, je les trouve surtout très longues, ces plumes. C'est vraiment une vraie toison, en fait. J'aime bien Deinokérus avec des plumes partout, mais des plumes fines. Alors, des plumes un peu filamenteuses, mais des plumes surtout fines. Et un truc quand même relativement ras sur la plupart de son corps. Comme ça, il n'a pas trop chaud. Et il est quand même assez joli. Il y a voilà, autre chose aussi par rapport à ça, c'est que les plumes sont très épaisses, très longues. Pour un animal estimé à 6 tonnes, dans les estimations globales, un pelage aussi dense, aussi long, et en plus humide, mouillé, parce qu'il est carrément montré dans l'eau, hein, ça rajoute du poids tout ça. Et je suis pas convaincu qu'un tel animal, une fois mouillé, serait... Enfin, pourrait tenir sur ses pattes convenablement, quoi. Je sais pas. Ouais, effectivement, je reçois ce... je reçois effectivement cet argument. Quelqu'un a encore un petit dernier truc sur Deinokérus ou on passe ? Ouais, j'avais noté un truc sur la musique qui était super épique, voire comique lorsqu'il se gratte. Je l'ai trouvé un peu inapproprié à la scène. Mais bon, bah, ok, point, quoi. Alors, j'ai vu cette scène avec la musique de Shrek, ça passe très très bien aussi. Clairement, c'est... Je sais pas laquelle est mieux, après tout. Moi, je sais pas, mais Hans Zimmer, il a fait des trucs bizarres sur cet épisode. Mais je tiens juste à renoter ce qu'a dit Val, et par contre, ça, c'est un point positif que j'ai trouvé à l'épisode, c'est que même si la spéculation sur les griffes des Deinokérus ne repose sur rien, on va dire qu'au moins, c'est logique. Et bon, ça, je le salue quand même. Ça sera mon premier point positif de l'épisode. Notez-le bien et gardez-le en tête, ça sera peut-être le dernier. Ah bah, j'allais demander, serait-ce le seul ? Ah bah, il nous a teasé un peu le truc. Donc... Nous continuons notre journée sur le fleuve vers une forêt marécageuse d'Afrique du Sud, où un animal qui n'a rien à faire là-bas vient se poser et élever ses petits, Quetzalcoatlus. Alors on suit donc une femelle qui débarque dans cet environnement lacustre pour donc y déposer des œufs de manière relativement périodique dans un endroit particulièrement propice. Elle va donc essayer de s'en occuper comme elle peut. Malheureusement, son nid va se faire saccager par une femelle rivale et seulement 3 œufs vont tenir le coup. Alors Edouard, toi qui es un grand fan de ptérosaures, j'en sais absolument rien, tu as notamment quelque chose à dire sur la manière dont cet animal gigantesque bouge. Alors oui, j'ai plusieurs petites choses à dire. Alors comme tu le dis, bon, en soi j'aime bien Quetzalcoatlus, j'aime bien les os d'archidées, je trouve qu'ils ont vraiment un physique assez particulier. Ils sont super. J'avais bien aimé justement le Phosphatodraco dans le premier épisode, hein, qui avait une petite mise en scène quand même que j'avais bien aimé. En ce qui concerne le Quetzalcoatlus, il est globalement, je trouve, bien fait, ça va, enfin en termes de forme. Après, bon, ils ont mis une petite fourrure, bon, ok, enfin, si vous voulez, moi, je vais pas m'exprimer là-dessus, j'ai pas trop de sources là-dessus, donc je vais pas me casser les dents sur ce sujet-là. Par contre, en ce qui concerne, donc, les mouvements de l'animal, il y a deux choses. Je vais dire un truc positif et un truc négatif, donc je vais quand même peut-être commencer par le positif, hein, pour une fois que j'en fais, mais c'est important de le reconnaître. L'animal, on le voit atterrir et décoller dans cet épisode, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une illustration dans un docu-fiction de travaux qui ont été relayés par les scientifiques, des travaux de modélisation, que j'ai vu beaucoup passer, en fait, repartagés par Twitter, hein, notamment, par des paléontologues surtout américains, et qui justement montraient comment devait décoller ce genre de ptérosaure, donc c'est-à-dire en s'élançant vers l'avant sur leurs bras, hein, puis ensuite en déployant les ailes dans la foulée avec quand les ailes repartent vers l'arrière. Ça, j'ai trouvé ça bien de le représenter, c'était assez crédible, ça c'était cool. Bon, après, l'atterrissage est bien fait aussi, hein, y a pas de souci. Par contre, j'ai quelques petits problèmes avec plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce qu'il fait là ? Alors, je veux bien qu'il se recule dans un milieu propice à ses petits, parce que justement, il précise que la femelle ne va pas les élever, elle les garde juste à l'éclosion. Un peu comme le Dimétrodon de la Walking Weave, il me semble, qui faisait à peu près pareil, qui gardait les œufs jusqu'à l'éclosion, et ensuite, dès que c'était fini, chacun pour soi. C'est la même stratégie, donc pourquoi pas. Le faire du coup dans une forêt, c'est logique, mais le problème c'est qu'on voit très clairement que l'animal n'est pas du tout adapté à ce genre d'environnement. Ça peut être intéressant, mais le problème c'est que le documentaire n'insiste pas trop sur ce point et a l'air en fait de faire comme si c'était pas grave. Le décollage justement est bien, mais en fait il y a un énorme arbre
devant. Et j'avoue que je sens un Quetzalcoatlus de 12 mètres d'envergure. Il y a deux arbres qui sont à peu près espacés de 14 mètres. Je ne tenterai pas le coup. Franchement, faut pas s'y casser un ongle, quoi. Voilà, franchement, je ne tenterai pas le coup. J'aurais un peu peur. Donc, en plus, le pire, c'est qu'il s'élance pépère. Il bat un peu des ailes, hein, tranquille, hein, vraiment. C'est violent, hein, par contre, les ailes. Ouais, voilà, c'est violent. C'est du genre, t'es à côté, bon, tu le sens, quoi, le truc qu'il fait. Donc, bon, moi, à sa place, je m'y serais pas risqué. Et même, il s'élève et tout, avec les arbres, du coup, de mangrove, si je me trompe pas, ça peut s'appeler à peu près comme ça. Et ouais, non, pour le coup, je me suis dit, bon, il a pas peur, quoi. C'est pareil dans la forêt où, effectivement, il a quand même. Bah, il est clairement pas adapté à ce milieu, et justement, bon, ce qui est intéressant, c'est que par contre, il a dû aller se déplacer pour aller chercher à manger. C'était plutôt bien, et justement, bah, ça a offert une opportunité à sa rivale. Ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, hein, assez dramatique d'ailleurs. Franchement, il y avait des bonnes idées. Et en ce qui concerne les mouvements, bah, surtout pour le décollage et l'atterrissage, bah, c'était vraiment très intéressant de voir ça dans un docu-fiction. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord. Alors, je vais rajouter un peu dessus. Moi la scène du Quetzalcoatlus, j'ai bien aimé, hein, globalement, cette scène. Elle était sympathique, avec la mère qui défend ses œufs. Alors, justement, on voit après un petit, un bébé. On peut se dire, tiens, il a éclos, tiens, le petit Quetzalcoatlus, donc pourquoi pas. Globalement, le mouvement, c'est cool. Alors, déjà, je remercie le documentaire d'avoir fait Quetzalcoatlus un peu plus terrestre que les autres ptérosaures. Je suppose notamment que les grands astarchidés, dont Quetzalcoatlus, Zegopteryx et compagnie faisaient partie, étaient bien adaptés au milieu terrestre et du coup chassaient un peu comme les grues et les cigognes. Vous savez, marcher comme ça dans les champs si vous en voyez autour de la route. Et à piquer du bec, s'y trouve une bestiole qui passe. Bon, les cigognes, c'est les grenouilles. Les Quetzalcoatlus, c'est des dinosaures. Et moi, le décollage aussi. Alors, autant le décollage avec les bras, c'était cool. Autant le reste, moins. Alors, voilà, des marabouts géants, on me dit dans l'oreillette. C'est vrai, c'est effectivement ce qui s'en rapproche bien. Mais non, moi, ce qui me dérange avec le décollage, c'est autant les bras, c'est cool. Autant battre des ailes comme il fait, c'est pas bon. Alors déjà, je suis pas sûr que la mobilité des ailes des ptérosaures fonctionne comme ça. Encore moins Quetzalcoatlus. Car si j'ai bien suivi les études et les recherches que j'ai fait sur les ptérosaures, lors notamment de ma vidéo pour Pteranodon, plus le ptérosaure est grand, plus c'est compliqué de battre des ailes fort, et plus c'est compliqué de les battre longtemps. Du coup, vraiment faire des grands mouvements pendant plusieurs minutes, quoi. Enfin plusieurs minutes, non, plusieurs secondes, ça doit demander un effort musculaire terrible, et je suis pas sûr qu'il décolle extrêmement haut. Hein, parce qu'il faut bien sûr des courants ascendants pour l'aider à s'élever. Là-dessus, justement, bah, pour renchérir là-dessus sur ce que tu dis, c'est même plutôt logique, on peut avoir un effet physique assez intuitif, c'est que forcément, plus le ptérosaure est grand, plus son envergure est grande, mais du coup, plus la surface des ailes est grande, et du coup, il y a le terme surface qui augmente, et ça, bah, en fait, c'est un obstacle à la force musculaire du ptérosaure. Et donc, il faudrait qu'il ait des bras plus gros. Or, bah, forcément, bah, par effet de paire, tu peux pas avoir les bras plus gros, sinon tu peux plus voler. Donc, c'est pour ça que c'est assez... compliqué quand t'es un grand ptérosaure de battre des ailes, parce qu'en fait comme la surface augmente et que c'est un obstacle justement à l'air et que t'es censé planer, c'est assez compliqué. Du coup, tu demandes plus de force musculaire. D'accord, je vois. Me semble-t-il, il y a encore quelqu'un qui doit rajouter à cette scène que j'ai mal noté. Eiffel, c'est pas toi qui voulais en parler ? Non, bah, vous avez très bien dit beaucoup de choses. Moi, juste effectivement, j'aurais peut-être aimé qu'il détaille un peu plus en fait le décollage. Et avec un meilleur décor aussi, du coup, comme le soulignait Edouard, même si ça, je l'avais plus du tout en tête. Non, mais moi, voilà, plutôt que la maman, en fait, moi, j'aurais plutôt aimé, justement, qu'il nous parle, en fait, vraiment, du décollage, parce que, ben, encore une fois, c'est un mode de décollage qui est assez unique, qui n'a pas d'équivalent actuellement, là, dans la nature, enfin, je crois pas. Donc, je pense que ça aurait mérité que la narration s'attarde là-dessus, pour faire découvrir un peu plus ça aux gens. Et c'est dommage, du coup, qu'il l'ait pas fait, quoi. C'est juste montré en quelques secondes avec un petit fond musical, et puis basta, au revoir. Voilà, il dit juste qu'elle doit aller chercher à manger. Je suis d'accord avec Eiffel, c'est surtout que là, on a le même problème qu'avec le tyrannosaure, justement, en montrant le comportement maternel du ptérosaure, en l'occurrence, qui est assez détaillé. On nous parle de deux œufs pondus à chaque fois, puis après un laps de temps, histoire d'en refaire d'autres,
Et au tout, en tout, il y en a 12, je crois, je ne sais plus. Enfin, c'est pareil, c'est très renseigné. Et là, pour le coup, c'est assez frustrant qu'ils soient concentrés là-dessus. Qui certes, c'est sympa, c'est quand même un comportement qui est, bon, j'imagine, assez réaliste, assez crédible, mais qui n'est pas sourcé, alors que les travaux scientifiques sur les décollages des ptérosaures sont, à mon sens, pour l'instant, en tout cas, il y a vraiment un engouement là-dedans, et il y a quand même des travaux qui corroborent certaines idées, et ça aurait été vachement plus intéressant, comme l'a dit Eiffel, de se concentrer peut-être là-dessus. Effectivement, que des bons points avancés ici. Et ça y est, là, ça y est, c'est le moment de l'épisode où ça va vraiment partir. Le gros, le mastoc, on va parler de Masiakazorus. On reste en Afrique du Sud, de Quetzalcoatlus en Afrique du Sud, moi ça m'a frappé, voyez-vous. Mais cette fois, on part à Madagascar avec Masiakazorus, dans un environnement de fleuve qui commence à ralentir, on est vraiment en aval. Et justement, sur des bancs de sable, nous découvrons une famille de Masiakazorus qui est là pour chasser, se nourrir. Bon, notamment une mère, et c'est donc trois petits qui vont se nourrir de quelque chose dont ils ne sont pas censés se nourrir de base, à savoir les crabes. Alors, il y a des crabes un peu plus durs, des crabes un peu plus gros, qui vont notamment se défendre. Et il y a des crabes plus petits qui vont cette fois aller plus vite. La mère va notamment se focaliser sur les grands, car grâce à ses dents, elle est censée mieux percer la carapace. Et les petits, notamment un, va chasser les crabes un peu plus jeunes. Le problème, c'est que quand tu chasses, des fois, tu fais pas attention à ce qui est autour. Et quand tu es un bébé Masiakazorus, il y a quand même des prédateurs. Et le prédateur prend la forme d'une grosse grenouille, répondant au nom de Belzébufo. Alors Venator, est-ce que tu peux déjà développer, toi qui es un grand fan de biologie marine comme moi, tu as notamment quelque chose à dire sur la crabe et Belzébufo? Je vais commencer à parler des crabes, mais je ne vais pas beaucoup en parler puisque Valéo, il a beaucoup de choses à dire sur les crabes et il saura très bien le faire, parce qu'il sait parfaitement de quel crabe il s'agit. Ils ont fait le choix de mettre dans le documentaire des crabes qui existent actuellement pour ces scènes-là. Et le problème, c'est que ces crabes ne sont pas des crabes d'eau douce, ce sont des crabes d'eau salée. Et ils les représentent dans le documentaire comme pouvant vivre en eau douce. Enfin bref, je laisserai Valio parler de ça de manière plus détaillée. Et qu'en est-il de Belzébufo? Eh bien, Belzébufo, je le trouve franchement très bien réussi au niveau de sa forme. Belzébufo, dans ce documentaire, il est bien fait. Le problème, encore une fois, c'est les mouvements, puisque on le voit attraper un petit Masiakazorus. C'est un bon clin d'œil, une bonne référence paléontologique. Ça, j'ai bien apprécié. Mais cette scène-là, elle est mise au ralenti, à peu près 3-4 fois moins rapide. Et moi, j'ai eu la curiosité de me dire, j'ai envie de remettre cette scène à sa vitesse d'origine. Et connaissant la taille du bestiau, à peu près, et étant donné que quand on le voit attaquer, pendant ce court moment, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en ralenti, on voit l'eau gicler, on peut à peu près... On peut à peu près savoir à cette taille quelle est la vitesse de la physique de l'eau. Du coup, j'ai fait plusieurs tests en logiciel de montage et il fallait que j'accélère à peu près entre 3 et 4 fois pour que et une vitesse réaliste pour que ce soit à peu près la vitesse d'origine. Mais ceux qui ont fait la scène, quand je regarde cette scène à la vitesse originale entre guillemets, je me dis, ceux qui ont fait cette scène, ils l'ont pas faite pour qu'on puisse la regarder en vitesse originale, puisque quand tu la regardes en vitesse originale, les mouvements de Belzébufo, ils ont plus aucun sens. Les seuls mouvements qui ont un sens, c'est ceux de l'eau qui gicle. Donc j'imagine que ça, ils l'ont pas fait par ordinateur. Il y a même un moment où tu vois Belzébufo claquer certaines de ses pattes contre le sol à une vitesse plutôt conséquente et se déplacer de manière... il a du mal à se déplacer, c'est normal, il n'est pas fait pour courir le bestiau, mais
Forcément, lorsqu'il claque une de ses pattes contre le sol, c'est censé avoir un effet sur la physique de sa chair, de sa peau, etc. Surtout que c'est une grosse grenouille, quoi. Il est censé avoir une peau qui n'est pas rigide, qui n'est pas aussi rigide que la peau d'un ankylosaure, quoi. Bon, bah, ça y est, c'est quand même une grosse. C'est quand même une marge. Et du coup, ça fait rien sur son corps. Et quand je vois ça, je me dis, mais voilà, l'animal claquer ses membres un petit peu partout, et ça n'a un effet sur sa physique, sur la physique de ses membres. Et c'est un peu étrange. Mais bref, sinon, à part ça, à part ces mouvements un petit peu étranges, je trouve que Belzébuffo, il est bien reconstitué. Hein. On voit bien les dents, on voit bien les yeux, il est très beau. Le seul truc que j'aurais à redire sur ça, c'est que Belzébuffo, me semble-t-il, on l'associe fortement aux grenouilles taureaux cornus. Donc, oui. Et là, justement, on voit pas, elle n'a pas de petites excroissances. Ouais, ils ont décidé de pas lui mettre ces petites excroissances de petites cornes. C'est un choix. C'est un choix, hein, c'est compréhensible. Voilà, aux préférences de chacun. Ouais, à dire. Alors, tu as donc mentionné Valeo pour les crabes tout à l'heure. Justement, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces crabes, Valeo ? Ben, ils n'ont rien à faire là. Que ce c'est soit d'un point de vue temporel ou d'un point de vue écologique, en fait, c'est pas n'importe quel crabe qu'on a là. Ce sont des crabes qu'on voit très bien sur nos côtes françaises. Ce sont des crabes verts, qu'on appelle aussi des crabes enragés. Espèce Carcinus maenas, voilà. Donc espèce actuelle qui vit dans un milieu marin, pas en eau douce, certainement pas en eau douce. J'ai dit que c'était une espèce actuelle, ouais je l'ai dit mais je vais le redire, c'est une espèce actuelle. Elle a rien à faire à Madagascar. Alors Madagascar d'ailleurs qu'on doit deviner parce que ce n'est pas mentionné explicitement. Il faut chercher où vit Masiacosaurus, où vit Belzébuffo pour justement savoir qu'on est à Madagascar, parce que sinon on ne le sait pas. Et un gros problème aussi chez ces crabes, donc on voit aussi bien des crabes adultes que des jeunes crabes, et le petit ressemble exactement à l'adulte. Alors que chez les crabes enragés, on a des différents stades de croissance, on a des différences ontogénétiques, ça veut dire que le jeune présente des différences par rapport à l'adulte. En l'occurrence, la carapace du crabe enragé jeune va être un peu plus longue que large au début de stade de croissance. Et au fur et à mesure de la croissance vers l'adulte, la carapace va s'élargir et la longueur va pas trop augmenter. Ce qui fait qu'on a un crabe à la fin qui va être plus large que long. Voilà, donc là, le choix de mettre ces crabes-là, franchement, j'ai pas compris. Ce ne sont pas des crabes marins, ce ne sont pas des crabes d'eau douce, ce sont des crabes actuels, même pas représenter un crabe fossile. Bon, je peux comprendre d'un point de vue budgétaire que ça peut être compliqué, mais prenez un crabe d'eau douce, il en existe aujourd'hui des crabes d'eau douce, c'est pas ça qui manque non plus, autant en prendre quelques-uns. J'ai une question pour toi, Val, justement, par rapport à ça. C'est un sujet qu'on avait un petit peu traité dans les autres épisodes, mais est-ce que le fait qu'ils aient pas mentionné justement le nom du crabe, c'est mieux que s'il avait mentionné, ou alors quoi qu'il arrive, pour toi ça pose un problème et ça va véhiculer dans les gens un mauvais imaginaire? Est-ce que pour toi c'est vraiment beaucoup moins grave, ou alors c'est toujours le même niveau de bêtise? Pour moi, je sais pas, je trouve que il y a quand même, physiquement parlant, je trouve qu'il y a quand même une belle différence entre les crabes d'eau douce et les crabes marins. Je saurais pas dire en quoi. Je sais pas, moi, quand je vois une image de crabe, je sais pertinemment s'il est d'eau douce ou s'il est de milieu marin. Je sais pas, au premier coup d'œil, je le vois. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'habitude de voir ces crabes-là sur la plage. J'ai repéré direct quel crabe c'était. Bon, moi, ça me dérange. Là, franchement, honnêtement, le fait d'avoir mis une espèce actuelle, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y avait moyen de puiser dans d'autres espèces actuelles. Pour le milieu où dans lequel on est. Vraiment, enfin, je sais pas si je réponds à la question, mais... Si, tout à fait, mais... Et justement, pour toi, est-ce que ça va avoir un gros impact sur... Si on met de côté, par exemple, les connaisseurs, est-ce que, pour toi, ça va être un gros problème de transfert du savoir au public? En soi, non. Je pense pas que les crabes intéressent plus que ça le public, en fait. C'est dommage. Dans un documentaire sur les dinosaures, je pense que tout le monde se fout des crabes. Et c'est pour ça que, justement, à mon avis, ils sont pas foulés sur la recherche de l'espèce en question. Voilà. D'accord, c'est intéressant, merci. Eh bien, justement, tu nous parles de dinosaures, parce qu'on l'a oublié un peu, le dinosaure de cette scène, le Masiacosaurus. Alors, voilà, encore une fois, tu as fait des recherches sur le sujet,
hein, parce que cette scène t'avait quand même ma foi sauté au visage. Qu'est-ce que tu as à nous dire du fruit de ces recherches? Ah, ça, pour l'oublier, j'aimerais bien qu'on l'oublie. Ouais. Alors, Masiakosaurus, des recherches que j'ai faites, j'en ai conclu qu'il était complètement raté. Voilà. Déjà en soi. Voilà, donc c'est une espèce qui a été décrite donc, par Sampson et ses collègues en 2001. Donc Masiakosaurus Knopfleury, d'une longueur d'à peu près d'1m80. Il y a une chose qui m'avait particulièrement choqué, mais je vais pas commencer par elle, on va teaser un petit peu. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était la présence de plumes, pour moi, qui est largement injustifiée. Mais ça, c'est Eiffel qui en parlera peut-être un peu plus. Il s'y connaît un peu plus que moi sur les dinosaures plumeux, je pense. Mais des souvenirs que j'ai pas vu de ceratosaurien avec des plumes. Et justement, Masiakosaurus fait partie des ceratosauriens. Et Satan, c'est pas un noasauridé? Si, et les noasauridés font partie des ceratosauriens. Ah d'accord, autant pour moi. Je pensais que c'était des cousins des abélisaures. C'est le cas. Les abélisaures sont des ceratosauriens. Oh, attends, là j'apprends des choses de fou. Il faut réviser sa classification, Nico, ça ne va pas. Oh, je dis ça ne va pas. Aïe, aïe, aïe. Je suis le moins qualifié ici, quand même. Alors, on a Ceratosauria, on a le groupe des Neoceratosauria. Ensuite, dedans, tu as les abélisauroïdés. Oui. Et enfin, les noasauridés, dont Masiakosaurus. D'accord, merci de cette précision. Et c'est la famille cousine des abélisauridés. Voilà. Notez que cet individu est le chef du podcast actuel. Hein, donc... donc il y a ça. Eiffel reviendra sur les plumes, je pense. Il fera un petit truc en plus. Si jamais je me suis trompé, il se fera l'avocat du diable et je m'en ferai une joie de l'écouter. Au niveau de... Mais ce qui m'a vraiment choqué chez Masiakosaurus, c'est qu'il a vraiment une mâchoire qui est très caractéristique. C'est la caractéristique de Masiakosaurus. C'est qu'il a une espèce de mâchoire inférieure avec les dents qui partent vers l'avant. Un peu comme un plésiosaurien ou c'est Elasmosaur, je crois, qui a des dents un peu comme ça, qui partent vers l'avant. Et c'est la caractéristique qui a été ratée, parce qu'elle n'a pas été mise sur l'animal reconstitué. Voilà, c'est comme si on mettait Triceratops, mais qu'il n'avait pas de cornes. Je trouve ça un petit peu... Non, mais vraiment, un Triceratops chauve, j'ai du mal à l'imaginer. Mais un Masiakosaurus sans cette caractéristique-là, j'ai du mal à l'imaginer, et Prehistoric Planet l'a fait. Ensuite, les dents comme ça, donc on le voit manger les crabes, comme on l'a dit. Les crabes, c'est pas n'importe lesquels, etc. Mais le fait, c'est qu'il les avale en entier. Alors déjà, ça apporte un problème au niveau de la digestion, c'est qu'il faut au minimum au moins les broyer dans la bouche pour pouvoir les digérer plus facilement. Bon, ça c'est un petit problème à part. Le gros problème, c'est que la dentition, a priori, des analyses qui ont été faites selon Carano et ses collègues en 2002, il serait plutôt insectivore ou piscivore. Encore une fois, piscivore, on se rapproche de la dentition, de la mâchoire d'un plésiosaurien. Ce qui ressemble un petit peu, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de convergence derrière? Ça, encore une fois, c'est caractéristique. Donc voilà, donc pareil aussi, les petits Masiakosaurus ressemblent très pour très à l'adulte. Il n'y a pas de différence ontogénétique, mis à part sur la couleur. Là, on a un petit Masiakosaurus qui ressemble exactement à l'adulte. Alors que chez la plupart des dinosaures, en général, la face est beaucoup plus courte chez les petits, avec des yeux qui ont l'air plus grands. Et quand les petits grandissent, et ben la face a tendance à s'allonger et les yeux grandissent aussi, mais moins rapidement que la face, et du coup ils sont d'allure plus petits par rapport au reste du crâne. Voilà. Donc là, moi j'ai relevé trois problèmes assez grossiers sur l'animal. Pour moi, il est raté de A à Z. C'est quelque chose qu'on comprend relativement. Alors personnellement, moi, mis à part les couleurs, le reste, il ne parle pas du tout. Avant qu'Eiffel nous fasse un paragraphe sur les plumes, Edouard, as-tu un petit quelque chose à ajouter sur cette scène globale? Alors, il faut savoir que Masiakosaurus, c'est un peu comme pour Mononychus, comme je précisais dans l'épisode précédent. C'est un dinosaure que j'aime bien, parce qu'il est particulier. Il a quand même quelque chose que les autres dinosaures, actuellement, dans le registre fossile, n'ont pas, ou n'ont peu. C'est vraiment une caractéristique qui lui est propre, comme la griffe de Mononychus, qui lui a donné son nom. Voilà, c'est vraiment un dinosaure qui est original pour ça. Et c'est un dinosaure que j'aime beaucoup pour ça, parce qu'il est discret lui aussi. J'avais dit justement dans l'épisode précédent que le Mononychus, pour moi, je repense à la question que Karcha m'avait posée, à savoir, est-ce que le voir dans le documentaire m'aurait fait aimer le Mononychus? J'aurais dit non, et pourtant le Mononychus, il avait sa griffe. Là, Masiakosaurus, c'est non. Non, là clairement, il m'aurait pas fait aimer Masiakosaurus, c'est pas Masiakosaurus, ça c'est...
c'est un théropode. D'accord, mais c'est autant Masiakasaurus que Vélociraptor que théropode lambda du 5-9. C'est, je sais pas qui c'est. C'est pas un Masiakasaurus. Un Masiakasaurus, il a des dents qui vont vers l'avant. Et là, non, là, ils sont... Alors le pire, c'est qu'on dirait que c'est même pas du tout adapté au mode alimentaire, justement, bah, piscivore ou insectivore qu'a mentionné Val. Et bon, bah, là, par exemple, bah, il gobe les crabes en entier, bon, c'est une chose. C'est raté, les stades ontogéniques, bah, comme l'a dit Val, exactement pareil. Enfin, il y a que la couleur qui change. Bah, pff, ouais, ok, mais bah, non, normalement, non, c'est pas ça. Et non, non, vraiment, ce dinosaure est une frustration. C'est vraiment comment rater... Enfin, c'est vraiment dommage. C'est un dinosaure qui n'aurait pas dû rater. Masiakasaurus, il est connu pour ça. Juste mettre les dents. Les dents. Donc non, bah non, franchement, pour moi, c'est un grand nom. Et non, non, c'est raté. C'est vraiment raté. Là, je rejoins totalement l'avis de Val. J'ai bien essayé, mais c'est raté. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est la pire scène de l'épisode, globalement. Juste par rapport à la question qu'avait Val tout à l'heure, pour les ceratosauriens, pour l'instant, il n'y a pas de plume connue. Enfin, ils sont deux à avoir... enfin, on a des idées un peu de ce qu'ils avaient comme appendice tégumentaire. Donc, il y a Carnotaurus. Bon, des impressions de peau, c'est super bien décrit. Plusieurs écailles différentes, pas de plumes. Et il y a Ceratosaurus, où, pour le coup, là, on sait qu'il y avait des ostéodermes. Et a priori... Il n'y a pas de plume non plus. On va faire simple. Selon la dernière révision justement des dinosaures, de leur peau et de l'évolution justement écailles, plumes, etc. chez ces animaux, donc qui date de cette année par le paléontologue Christophe Hendricks, il n'y a pas de plume chez les ceratosauriens. Il n'aurait pas besoin d'en mettre. Dans l'évolution des dinos du côté de la branche des théropodes, les traces hein, vraiment de présence de plumes, bah, on ne va pas en avoir avant certains tétanures, même certains cellurosauriens. Donc voilà, c'est avec les cellurosauriens qu'on a les premières traces documentées. Enfin, je vois où ils veulent en mettre parce que l'animal est petit, comme dit tout à l'heure, la taille ça entre en jeu, sauf qu'on peut aussi très bien concevoir que malgré le fait qu'il soit petit, il n'est pas forcément de plume. C'est pas impossible, sans compter que voilà, encore une fois, on n'a pas documenté dans ce côté-là de l'évolution des dinos. Et l'histoire de la plume semble être assez compliquée, dans le sens, je dis encore une fois, mais clairement, c'est quoi vraiment une plume au final? Maintenant, il y a tellement une diversité qu'il faudrait peut-être se repencher sur la question. Donc, moi, je pense que ça aurait été plutôt culotté, plutôt intéressant de montrer ouais, un Masiakasaurus, surtout l'adulte, en fait. L'adulte, sans plume, quoi, recouvert uniquement d'écailles. À la limite, les petits, comme pour les T-Rex, pourquoi pas. Mais bon, comme l'a très bien dit Val... pour les petits, déjà qu'ils avaient raté la morphologie, est-ce qu'on pouvait espérer qu'ils respectent les plumes? Je pense pas. Alors, Karcha, tu veux... Vas-y, redonne un coup sur Masiakasaurus, il en a pas assez pris, je pense. Notamment sur les modèles 3D. Ouais, ça fait trop longtemps que j'ai pas craché sur ce truc. non, mais... voilà, pour se compléter ce qu'a dit Val, voilà, les petits, c'est des copier-coller de l'adulte. Et ça montre bien que, alors oui, on a vu les commentaires sur les précédents podcasts que peut-être le budget n'était pas aussi important que ça. Bah, ça revient au problème que je disais, c'est de mettre trop d'animaux. Bah, forcément, t'as moins de budget pour d'autres. Donc là, peut-être enlever, par exemple, je sais pas, là, voilà, on était pas obligé de mettre la Belzébufo. T'enlevais la Belzébufo, tu faisais des bébés, et tu faisais des bébés qui étaient différents morphologiquement de l'adulte. Là, à un moment donné, je n'excuse pas tout. Là, c'est juste une pure flémardise totale. C'est du n'importe quoi. Et pour ça, l'excuse du budget, je ne l'accepterai plus jamais, sachant qu'ils mettent des animaux dont ils pouvaient se passer. Et ils en mettent d'autres qui sont là et qui sont juste des miniaturisations des autres. Voilà. Et le dernier coup sur la tombe de Masiakasaurus sera pour Venator. C'est dommage que pour Masiakasaurus, ça se voit qu'ils n'ont pas fait autant d'efforts que sur les autres représentations. Je dirais vraiment qu'il est en plastique, hein, des fois, quand on le voit, sa texture, elle n'est pas folle du tout. En plus, c'est dommage qu'il ne soit pas embêté à faire différentes écailles. Il a tout le temps les mêmes écailles partout, sur l'intégralité de son corps.
enfin pas sur les pattes, mais par exemple sur la tête, c'est tout le temps les mêmes écailles, tout le temps la même taille, tout le temps le même type d'écailles, ça change jamais. Et c'est ainsi que Masiakazorus fut retrouvé au fond d'une rue, en sang, tabassé par un gang qui répond au nom de la paléosphère. On y retournera un jour, t'inquiète. C'était mérité. Complètement. Bon, on va quand même le laisser un peu respirer. Et on va finir avec le dernier animal. Voilà. Notre journée le long du fleuve touche bientôt à sa fin, mais il faut bien sûr que le fleuve débouche dans l'océan. Et là, on a des comme dans le petit dinosaure, finalement, il y a un ami venu de l'océan. Il s'agit d'un plésiosaure qui est défini dans le documentaire comme un élasmosaure. Ça peut tout et rien dire, ça peut être la famille de l'élasmosaure ou Elasmosaurus platyrus. On ne sait pas, en tout cas on sait qu'il y a des élasmosauriens dans les eaux estuariennes, notamment dans un environnement de mangrove, malaire quand même relativement exigu, et qui donc reviennent d'un petit voyage touristique dans l'eau douce pour rejoindre ensuite la mer. D'ailleurs, c'est un élasmosaurien d'Afrique du Sud, encore une fois. Je sais pas, l'Amérique du Nord, c'est l'Afrique du Sud, c'est nouveau ça. Mais en tout cas, nos amis élasmosaures rencontrent donc un banc de poissons qui, déboussolés par les eaux saumâtres et pleines de sédiments estuariens, qui, on nous lit dans le documentaire, ont du mal à se mêler à l'océan tout de suite, sont donc complètement désorientés, ils voient pas grand-chose, et c'est ça que les élasmosaures attendent pour attaquer le banc. Alors, Karcha, qu'as-tu à nous dire pour ce plésiosaure-ci ? Encore une fois, flémardise. C'est le même pattern que le tueur Anguissorus, hein, tellement de changements. Alors moi, ce qui me pose un gros problème, et qui avait déjà été pour moi un gros problème avec le Dreadnoughtus, c'est qu'ils avaient utilisé voilà, le mot un titanosaure. Alors un titanosaure, encore une fois, comme tu l'as dit, ça peut désigner un animal comme plusieurs animaux. Là, le truc, c'est qu'Elasmosaure, est-ce qu'il parle de l'animal précisément ou du groupe d'animaux, on ne sait pas. Donc ça, c'est un très très gros problème parce que même toi, tu n'arrives pas à avoir un consensus sur ce que tu dis. C'est très clairement pour moi un gros manque de rigueur scientifique. Ça, ça ne se fait pas du tout. En plus de ça, mettre des Elasmosaures dans l'eau douce qui après vont retourner dans de l'eau salée, je l'aurais pas tenté. J'avoue, je l'aurais pas tenté. Pourquoi ils l'ont mis ? Encore une fois, ça ne sert strictement à rien. Ils auraient pu parler d'un autre animal. Il y avait d'autres animaux plus intéressants à traiter plutôt que ça. Mais je pense qu'il fallait rentabiliser le pattern qu'on n'a pas assez utilisé dans l'épisode 1. Parce que les tueurs Anguissorus dans l'épisode 1, c'était des caméos. Donc là, ils se sont dit, on va les refoutre. Comme ça, on rentabilise le 3D. Et on va en mettre moins sur les Masiakazorus. Alors, un autre petit clou encore une fois. Et les poissons qui sont déboussolés, bah, j'ai envie de vous dire, cassez-vous. Pourquoi vous vivez là-dedans ? À un moment donné, il faut être un peu logique aussi. J'ai l'impression que tous les animaux là-dedans, leur instinct de survie n'existe plus. Ils ont décidé, allez bien, on va tous mourir. C'est les poissons qui vont mourir. Voilà, exactement. Bah, à un moment donné, comme dirait un grand homme, je comprends pourquoi ton espèce a disparu. Ben voilà, c'est débile. Petit clin d'œil, Val. J'espère que tu me remercieras pour ça et tu me donneras un petit chèque. Non, ouais, c'est cette scène-là, vraiment. Déjà, alors j'en parlerai pour ma conclusion, cet épisode est déjà ultra long et ultra long. Vraiment, on se fait chier. Mais j'ai failli m'endormir. Cette scène-là, t'aurais pu l'enlever, raccourcir l'épisode à la rigueur, ou alors mettre autre chose de plus intéressant, ou développer plus d'eau d'animaux, ça aurait été mieux. Voilà, cette scène-là ne va pas, encore une fois. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, cet épisode, si je devais le définir, c'est contrainte budgétaire, on recycle. Voilà. Je vais laisser quelqu'un d'autre qui est plus qualifié, je sais pas qui tu vas faire parler après, mais Eiffel, par exemple, pour plus vous parler du mode de vie de ces élasmosaures que moi, parce que bah oui, je suis pas assez qualifié, mais je constate juste que c'est débile. Alors j'ai quand même 2-3 trucs à dire avant que je laisse la parole à Eiffel. D'accord, tu coupes les gens. Bon boulot. Oh. Oh, c'est moi qui gère, c'est pas moi qui gère. Wow. Pardon monsieur. Voilà, merci. Donc j'ai, parce que j'ai rien de mieux à faire, comparé les modèles entre l'élasmosaure et les tueurs Anguissorus. Mis à part les couleurs éventuellement, oui, le modèle est quasiment identique. Je dirais vite fait qu'il a un cou un peu plus long. Ça, c'est mes yeux fatigués, éventuellement, qui ont pu voir ça. Alors, je me permets de te couper, Nico, juste pour préciser qu'effectivement, le cou est plus long et correspond effectivement bien à Elasmosaurus. En termes voilà. De proportion, j'ai fait moi-même le truc, justement, avant de venir, parce que j'ai fait la même remarque que Karcha, comme quoi il ressemblait. Mais effectivement, c'est... Bon, après, c'est sûrement le modèle du Tourangizor, où ils ont juste redimensionné les trucs, mais... C'est... Oh. Par contre, en termes de proportion, ouais, ça colle bien à Elasmosaurus, du coup. Ils savent utiliser un modèle 3D pour allonger un coup, c'est pas mal. Bravo, on applaudit quand même. C'est un bon point, au moins l'Elasmosaurus, c'est pas juste un tueur Anguissorus. Et justement, en parlant du tueur Anguissorus, j'ai une petite question que je vais laisser un peu en suspens. Je vais notamment un peu la diriger vers Eiffel pour qu'il embraye.
d'après vous, est-ce que ça aurait été mieux si, si on avait inversé les deux bestioles ? C'est-à-dire que continent Zealandia, donc océan Pacifique, où potentiellement Elasmosaurus platyrus pouvait vivre, et du coup on aurait fait toute l'aventure des Tuaranguisaurs, que c'est pas Tuaranguisaurus, c'est Elasmosaurus l'animal. Et là, dans l'épisode Freshwater, mettre un animal un peu moins connu, Tuaranguisaurus, hein, parce qu'on ne connaît pas beaucoup Tuaranguisaurus, grand public, pourquoi pas le mettre lui à la place qui fait son aventure dans l'estuaire et qui mange du poisson ? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée ? Est-ce que ça aurait pas été mieux ? Est-ce que ça aurait pas mieux passé, ne serait-ce que dans la tête des gens ? Je veux laisser d'autres personnes s'exprimer parce que je pense que je vais partir dans un petit monologue là après, alors vaut mieux que quelqu'un d'autre parle. Te connaissant, oui. Moi, ouais. Je vais pas répondre du coup à la question de Nico. Ah bah j'ai sympa ça, super. Si j'ai bien compris, tu demandes si tu t'aurais aimé qu'on parle des Tuaranguisaurs là. Oui, à la place de Elasmosaur, tu sais qu'on avait inversé les deux espèces. Ouais, d'accord. Bah, je vais en profiter pour parler du coup de ce que j'ai dit, puisque grosso modo c'est rigolo parce que ça revient à ta question. Bah tu vois, moi je pensais que l'épisode était fini, puis là on arrive là, et on voit même un Quetzalcoatlus qui tourne la tête en voyant ce qui se passe d'un air de dire « What ? Mais pourquoi il y a ça ? C'était pas prévu ?» Donc ouais, bon, j'étais un peu comme le Quetzal dans l'épisode où je commençais à voir des trucs où je me disais putain, qu'est-ce que ça va être encore fait. Ah désolé, je devrais pas placer ça, mais là non, c'est ça va pas. Elasmosaurus, enfin le terme exact qui est dit c'est Elasmosaurus. Donc bon, le groupe pourquoi pas, allez admettons. Il n'empêche que on est clairement on réfléchit deux minutes, on se dit qu'est-ce qu'ils font là ? Et qu'est-ce qu'ils font là ? Ils ont un coup de 7 mètres de long pour tailler dans des bancs de poissons, ils remontent des estuaires. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pas vraiment, là, j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais c'est pas vrai, après tout ce qu'on a eu avant, on en est là. Enfin, Edouard, attention, je crois que t'es énervé. Oui, c'est à lui qui nous fait un glaçon. Donne-moi un glaçon, s'il te plaît. Oui, je t'en mettrai un. Hein. Voilà, merci pour le glaçon. Non, mais vraiment, j'y pense, je me dis, même t'y connais rien en plésiosaure. Allez, je connais rien en plésiosaure. En vrai, je n'y connais pas tant que ça. Mais tu réfléchis juste deux secondes. Tu te dis, l'animal, il est plus grand qu'un tyrannosaure. C'est un truc qui fait 14 mètres de long pour les plus grosses estimations, dont la moitié de la longueur, quasiment, est dans le cou. Qu'est-ce qu'il irait faire dans un estuaire ? C'est adapté pour... si tu l'imagines vraiment placer son cou dans des bancs de poissons, par exemple, pour choper des trucs. Là, en plus, le pire, c'est qu'encore, il serait tout seul. Allez, il serait tout seul. Non, ils sont 5. Bah ouais, voilà quoi. Donc non, ça va pas du tout. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah ouais, bien sûr, on finit là-dessus. Donc non, franchement, là, ça m'a sorti totalement du truc. Alors, est-ce que ça aurait été mieux de mettre Tuaranguisaur, justement ? Bah sûrement, oui, parce que la morphologie était déjà peut-être, au moins, d'un point de vue morphologique, c'était peut-être un choix un peu moins idiot, hein, désolé de dire les termes, hein, mais là, c'est vraiment une idiotie. Il y a vraiment... Non, c'est comment ? Enfin, voilà, je sais même pas quoi dire. Ça va pas. Si je peux rebondir sur ce que dit Edouard, parce qu'il a dit quelque chose qui, pour moi, est très intéressant. Oui, c'est d'être concis, s'il te plaît. À un moment donné, non, je déconne. plus sérieusement, le fait, par exemple, de faire un individu égaré, tu vois, par exemple, qui s'est égaré, je sais pas, pour cause de tempête, un truc comme ça, on s'en fout, qui s'est égaré, du coup, qui meurt dans les eaux en disant, bah voilà, il est pas adapté à son milieu, il meurt, voilà, ou même un jeune comme Dival, ça aurait pu être cool, là, justement, de montrer que l'animal n'est pas adapté, il meurt. Voilà. Et montrer que dans la vie aussi, ça on ne peut pas le nier, il y a des animaux qui ne sont pas dans leur environnement naturel, par X ou Y raison, et bah, du coup, bah, la vie elle te démontre. Voilà, tu meurs. À un moment donné, tu n'es pas adapté, tu meurs. Là, c'est la loi de la jungle. Exactement. Et là, ça aurait peut-être été une très bonne utilisation de l'élasmosaure. Bon, il aurait fallu préciser quel élasmosaure, moi j'y tiens. Mais ça aurait été une bonne idée. Et je te remercie, Laure, parce que j'ai pas du tout pensé à ces... Enfin, du coup, tu m'as fait penser et je trouve que ça serait une bonne idée. Pourquoi parlons peu, parlons pas, c'est aussi des petites surprises. Alors, je me dois quand même... C'est comme je précisais vite fait, mais je le dis vite fait, mais c'est voilà. Ça revient justement au scénario du Basilo de la Walking Weave. Justement, qui, parce que je crois que c'est en voie de disparition qu'il est, du coup, il n'arrive plus trop à s'adapter à son environnement, du coup, il s'égare. Ça permet de montrer justement l'environnement qui est moins marin, etc. de l'époque. Et bon, je trouvais que franchement, c'était s'ils avaient fait quelque chose dans ce genre-là, j'aurais trouvé ça mieux amené.
mais là, non. J'arrête. Voilà. Allez, je sens qu'Eiffel, vraiment, ça y est, on l'a bien conditionné. Vas-y, Eiffel, dis-nous tout. Ah bah déjà, je veux remercier tous ceux qui ont parlé avant, parce que là, vous avez préparé un super terrain. J'espère que j'aurai des réponses à certains points. Bien entendu. Donc, voilà, déjà, on trouve des réponses. Bah, merci, Karcha, de me faire confiance alors que j'ai encore rien dit, mais... C'est normal, c'est ça, l'amitié. Oh là là, c'est beau. Vous écoutez un shonen, les gens, vous écoutez un shonen. Moment de romance, actuellement. Alors... Par où commencer? Alors bah, déjà, moi je vais exprimer un même regret un peu que certains. Peut-être qu'il aurait été nécessaire, quitte à inclure ce passage sur Elasmosaur, de justement creuser le passage. déjà, le choix de la localisation. Là, pour le coup, donc c'est dans le sud de l'Afrique. Non, je ne suis pas pour. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, sachant que l'épisode avait déjà fait, de resituer l'action en Amérique du Nord. Parce qu'en Amérique du Nord, on a documenté, notamment au Canada, surtout au Canada d'ailleurs, des restes d'élasmosaures qui ont été trouvés, justement, dans des sédiments continentaux, et qui correspondaient soit à des estuaires, soit à des fleuves, en gros, hein, pour faire simple. Donc on a effectivement des plésiosaures, et notamment, spécialement là pour le coup, des élasmosauridés qui ont été retrouvés dans des contextes qui ne sont pas marins. On en a. Alors, ils ne sont pas forcément identifiés à certaines espèces. Ça, je vais y venir. Du coup, d'un côté, le fait qu'ils disent juste « Elasmosaur », ok, c'est bien dans le sens où, effectivement, pour certains restes, ben, on n'a pas d'espèce à donner. Parce que les restes, ils sont vraiment moches. Les os, ils sont fragmentaires, ils sont un peu tout pétés et tout. Bon, c'est pas terrible. Mais... pour le public, déjà, c'est un peu plus compliqué, ce flou. Là, on est dans l'incertitude scientifique. C'est bien pour la science, pour le scientifique. Mais quitte à ce que ça soit amené au public, alors il faut bien l'amener. Et je pense que juste dire « Elasmosaur », c'est pas bien amener cette incertitude. Au contraire, c'est amener du flou ou alors que des personnes, peut-être, qui vont retenir « il a dit Elasmosaur, ah ouais, donc Elasmosaurus », ils vont se dire. J'extrapole, mais ça arrive souvent. Hein. Bah, c'est ce qu'on avait pensé au début, hein. C'est Elasmosaurus, c'est pas juste un Elasmosaurien. Bon, ben voilà. Alors, à savoir, par exemple, je prends un exemple, mais alors, c'est pas au Maastrichtien, c'est au Campanien, mais on a une espèce qui est très bien connue qui s'appelle justement Fluvionectes. C'est un Elasmosauridé, découvert du coup donc à la fois pour certains restes, c'était vraisemblablement plutôt fluviatile, et pour d'autres, c'était plutôt un estuaire. On a un Elasmosauridé qui vivait dans cet environnement. Les restes, ils sont plutôt, pour le coup, d'assez bonne qualité, indiquent qu'on a un animal qui était adulte, sauf qu'il était de taille plutôt raisonnable, autour de... entre 6 et 8 mètres, si ma mémoire est bonne. Donc on n'est pas sur on n'est pas sur le grand modèle, quoi. Comme je rebondis sur ce que disait Edouard, et ça, c'est confirmé, en fait, par d'autres restes, notamment des restes toujours découverts au Canada. Alors là, pour le coup, notamment au Maastrichtien, par exemple, on a des restes qui, pour certains, ont été donc rapprochés d'Elasmosaurus, mais bon, c'est pas Elasmosaurus, c'est juste qu'il n'y a rien, c'est ce qui y ressemble le plus. On a, pareil, des individus qui sont de taille modeste et qui, clairement, ben, en fait, ils sont aussi grands qu'en fait le cou de la bestiole, là, dans Préhistorique Planète. Et ça, c'est justement, pour faire simple et court sur la question, qui mériterait, en vérité, une vidéo rien que sur ça, des Elasmosauridés en eau douce. Pourquoi pas? On a des traces. Mais dans ce cas, il faut bien les localiser géographiquement. Et aussi, surtout, il faut leur mettre une bonne taille. Donc une taille beaucoup plus petite. Alors après, il y a quand même... C'est un peu flou et obscur. Il y a deux grandes hypothèses qui s'affrontent. Une première hypothèse, c'est de dire que ces restes d'Elasmosauridés, notamment donc, de ceux qui ont été rapprochés d'Elasmosaurus, qui ont été donc, découverts au Maastrichtien à la fin du Crétacé, ce sont soit une autre espèce... une espèce à part, des Elasmosauridés qui vivraient uniquement en eau douce et dans les estuaires. Et pourquoi pas? S'ajoute également le fait qu'il y a cette autre hypothèse concurrente où ce serait plutôt des adultes qui, donc les petits vont naître soit dans les estuaires, et puis après du coup ils vont vivre plutôt du coup en eau douce, donc estuaires, fleuves, rivières. Mais sur ces restes-là, ce sont les deux grosses hypothèses qui, pendant longtemps, donc sont en fond et s'affrontent, entre guillemets, et il n'y a pas de réponse. Et à ça, il ne faut pas oublier la troisième hypothèse qui a été évoquée tout à l'heure, celle d'un animal égaré qui va venir mourir.
Et ça, c'est enfin un peu plus discuté, parce qu'il y a donc une publication qui a été acceptée là, cette année, qui propose justement une révision complète de cette question des plésiosaures en eau douce, et plésiosaures au sens vraiment très large, le groupe plésiosauria, donc les plésiosaures plus les plésiosaures. Ça propose voilà, de réfléchir à ça. Et donc, dans la conclusion de ce papier, donc, ça reparle du fait que voilà, peut-être qu'il y avait uniquement des espèces qui vivaient justement dans les eaux douces. Peut-être qu'il y avait des espèces marines qui venaient donner naissance à des petits dans les eaux douces et que les petits, avant d'être adultes pour passer l'enfance en sécurité, un peu comme certains requins ensuite, allaient repartir vers la mer et les océans. Et s'ajoute également le fait que des animaux, des espèces marines vont s'égarer, notamment comme certains cétacés actuels. Et pour faire un petit écho à l'actualité, on a entendu parler d'une orque qui s'était paumée dans la Seine. Et elle est morte. Voilà. Et qui est loin d'être... Mais bon, les cétacés qui sont égarés dans des fleuves, des rivières, etc., les estuaires, il y en a dans la littérature scientifique, il y en a une ribambelle. Et d'ailleurs, ce papier sur les plésiosaures d'eau douce... a fait un paragraphe sur la question et c'était vraiment très 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 intéressant. S'ajoute également tout de même le fait que en termes de physiologie, pour certaines hypothèses, alors le fait que des plésiosaures auraient pu donner naissance à des petits et que les petits vivent un petit peu dans les eaux douces avant de revenir, pas absurde dans le sens où on a quand même à l'heure actuelle en reptiles qui ont des écologies similaires, les crocodiles. Et alors, je sais que peut-être vous allez penser aux crocodiles marins, notamment toi, Nico, qui est fan de l'Australie. Coucou. Mais je tiens à rappeler que, en fait, toutes les espèces de crocodiles disposent d'une physiologie, notamment de glandes à sel, qui leur permettent de supporter l'eau salée, même celles qui vivent majoritairement ou quasi exclusivement en eau douce. Mais beaucoup d'espèces aiment bien les estuaires et supportent de temps en temps des passages avec des salinités variables. C'est le cas notamment du crocodile américain, Crocodilus adultus, le crocodile de Cuba qui vit dans des lacs salés ou dans les estuaires et les mangroves, etc. Pourquoi pas imaginer que des élasmosauridés, d'autres plésiosaures, aient eu des tolérances à la salinité similaire à nos crocodiles actuels. Sur le plan physiologique, ce serait parfaitement cohérent, j'ai envie de dire. Donc, des plésiosaures en eau douce, pourquoi pas, mais la manière dont c'est montré dans le documentaire, c'est non. C'est raté, c'est dommage, ça correspond pas au final à ce que nous dit la littérature scientifique. Il aurait fallu mettre l'action en Amérique du Nord plutôt, idéalement. Rester vague sur l'espèce, malheureusement là, pourquoi pas. Ou alors broder une histoire, l'animal égaré, ou le petit qui vient de naître, etc. Mais par contre, et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, ne pas les faire remonter aussi loin. Rester vraiment à l'embouchure de l'estuaire, ça suffit quoi. comme l'avait dit encore une fois, Edouard, Karcha et compagnie, tu fais pas un animal de plus de 10 mètres à des moments le faire passer dans des petits... dans des petits canaux d'eau quoi. C'est ridicule. Il fait du Star Wars dans l'étoile de la mort, c'est quand même quelque chose. Ouais, non mais c'est ça, il y avait la force pour les guider en mode ah, c'est tout petit, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et encore une fois, je répète ce que vous avez dit, mais moi aussi ça m'a marqué, ça m'a fait rire. Vraiment, les animaux qui sont sur les berges, quand ils regardent, ils sont vraiment en mode mais qu'est-ce que tu fous là? Et j'ai envie de dire à la juste titre. Même eux, ils y pensent. Oh non, il me faut un deuxième glaçon, pardon. Oh non. Est-ce que je peux lui donner mon iceberg? Non, mais c'est ça, c'est complètement ça. Ouais, je pense que ton iceberg il suffira pas, faut donner la banquise bientôt. Là. Ouais, non, attends, elle le fait. Bravo l'écologie. Hein. Je comprends de la planète, c'est dû à Edouard. Hein. Réfléchissez-y maintenant. Exactement. Aïe. Moi, je me contente quand même d'une boisson gazeuse, au pire. Donc voilà, ouais. pour les curieux, donc le papier en question, si vous aimez les plésiosaures, l'eau douce et compagnie, vous chercherez le papier de Bunker ses collègues, sorti en là, juillet 2022. Donc voilà, c'est vraiment tout beau, tout frais. Vous serez surpris par le nombre de plésiosaures qui en eau douce, hein, je vous le dis à tous là, au podcast. Moi-même perso, alors j'avais pas trop regardé, j'avais juste un petit peu regardé la question, mais dans le sens plus large des reptiles marins. Mais je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de restes. C'est vraiment impressionnant.
C'est certainement les reptiles marins qu'on a le plus retrouvé en eau douce, les plésiosauriens. Un truc de dingue. Alors, Venator, encore une fois, un petit dernier mot. Tu es parfait pour conclure les parties, Venator. Allez, qu'est-ce que tu as à lui dire? Et les plésiosaures? Oui. Ok. Ben, moi, au départ, quand ils ont dit que c'était des élasmosaures, directement dans la tête, ben, comme a dit FL, j'ai eu le genre dans la tête, j'ai eu l'élasmosaurus. Et je voyais bien que les proportions, c'était pas les mêmes, mais je me basais sur le crâne, je faisais plein d'arrêts sur images pour essayer de faire la différence entre les modèles, mais il y en a pas du tout. Dommage, hein, parce que entre tueur Anguissaurus et l'Asmosaurus, voilà, je prends en compte les gens, hein, au niveau du crâne, il y a quand même pas mal de différences, des différences vraiment notables. Et oui, c'est un problème de vulgarisation, ça aussi, pour moi. Mais bon, c'est vrai qu'il fallait rentabiliser le modèle, et il fallait prendre trop de temps en plus pour le modifier, sachant que ça se verrait plus que là, c'est des eaux très troubles. Voilà. Je vois. Eh bien, compère, après désormais 1h40... Est-ce qu'on peut reparler du Mastacazorus? Non, je rigole. Non mais tu cherches, c'est pas possible. Bon, alors tu peux en reparler, mais dans le mot de la fin, donc les notes de tout le monde, alors j'explique à Val qui était pas là pour voir comment on a fait, nous allons tous à notre tour donner une note pour le podcast. Tu peux soit faire une note globale, soit séparer le fond de la forme. C'est à ton choix, c'est comme tu le sens. Alors, est-ce que tu as déjà une idée de la note que tu pourrais donner? Ouais, une vague idée, effectivement. Il faut que je justifie avec un petit peu de... Ouais. Oui. Bah, la forme, honnêtement, c'est toujours la même chose. Hein. On va pas rabâcher sans cette fois les mêmes choses. Visuellement, bah, y a beaucoup de détails, c'est très beau, c'est l'ultra HD. Voilà, bon, on fait un drame. Après, sur le fond, honnêtement, pour moi, ça a été une grosse déception. Déjà, côté dinosaure, on a vu que des théropodes. Pas un seul autre dinosaure que du théropode. J'ai été très déçu. Ça manque de vie. Genre, on n'a même pas de cératopsien traversant une rivière comme des gnous ou quoi que ce soit. Ça aurait été quand même bien. Le résumé de l'épisode, c'est sexe, bagarre et caca. Masia caca. Là, pour moi, la note, honnêtement, ça va être surtout la forme qui va plomber l'épisode. Pour moi, c'est un... Sur 20? Oui, c'est sur 20. 20. Sur 20, ben, 5. Wow. Ouais. Eh ben, voilà, un petit 5 sur 20, c'est comment ça? Ah, désolé, hein, mais là, franchement, je vous le dis, c'est une grosse déception. Masiaka a raté de A à Z. Tout ce dont on a parlé, y a quand même pas mal de trucs faux, des approximations, des erreurs qu'on reproche à d'autres documentaires, disons-le, classiques, sur... la précision pour des chiffres ou des trucs comme ça, et là je vois pas pourquoi on devrait faire une exception pour celui-là sous prétexte qu'il est beau. Pour moi, ça vaut pas plus d'un 5. Tu as tout à fait raison. Bah, dis donc. Évidemment que j'ai raison. Oui. Alors, en espérant que, même si je le doute, hein, les autres puissent redonner une meilleure image de cul, Edouard, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu commences par moi. Ah, super. Hein. Ah, là, tu vas être déçu. Ouais, je sais, mais je sais que tout le monde, mis à part moi, va le trasher, celui-là. Donc bon. Non, je vais pas le trasher, parce qu'il y a quand même... Encore une fois, il y a des bonnes idées dont on n'a pas forcément parlé. C'est un épisode qui renoue quand même avec des dinosaures, un environnement un peu forestier qui reste, ma foi, assez sympathique. J'ai parlé, justement, du Quetzalcoatlus, qui reste quand même quelque chose, dans l'ensemble, bien réussi, même si je regrette qu'il se soit concentré sur, encore une fois, des trucs spéculatifs. Mais il y a vraiment trop de choses qui vont pas. Là, tout ce dont on a parlé, c'est le combo. Enfin, dès les premières minutes, je me demandais si je devais continuer l'épisode. Et bah ouais, bah, franchement, ça valait le coup. J'ai été vachement rattrapé. Je sais que je devrais noter entre la forme et le fond. Je fais ça d'habitude. Obligé, hein. Bah, d'habitude, je fais ça pour quoi que ce soit que je regarde. Franchement. Donc, je vais faire ça, mais je vais tricher. Oh là là. Pour la forme, je vais quand même mettre 9 sur 10. Non, je vais pas tricher, je vais mettre 9 sur 10. La forme est bien, comme d'habitude. Quelques détails, en fait. Encore une fois, c'est du travail de détail qui fait... Non, le travail de détail, en fait... Non, 8 sur 10. Hein. Il y a quand même des trucs de détail qui sont importants. Les crabes, c'était important quand même.
Enfin, je suis désolé, mais c'est vrai, en soi, quand on y réfléchit, c'est assez important. Pareil, Venator faisait mention des écailles sur le Masiak Azorus, c'est vrai qu'elles sont toutes identiques, c'est pas très pointilleux, certes, c'est beau, mais la beauté est dans les détails aussi. Donc non, non, 8 sur 10, et le fond, je lui mets 0,5. Parce que décollage du ptérosaure. Non, il y a des trucs, il y a d'autres trucs bien, mais là on n'est plus sur des trucs spéculatifs qui entachent le truc. Là c'est carrément des trucs faux. Le Masiak Azorus est faux. Cette scène là est remplie de trucs faux. Rien que celle là. Hein. Et on peut parler même du Vélociraptor en début d'épisode. Le T-Rex qui lève son cou. Non. Franchement, je suis désolé. Donc j'arrive à une note combien? 8,5, c'est ça? Ouais. Non, 8 ou 9,5. J'ai mis 8 pour la forme, du coup, et 0,5 pour le fond, donc 8,5 sur 20. Je suis vraiment désolé, j'aurais vraiment aimé mettre plus, surtout qu'il avait tout pour me plaire, celui-là, par rapport aux autres, parce qu'il avait beaucoup de mes chouchous. J'aime bien les As d'Archidée, j'aime bien le Masiakosaurus, comme je l'avais précisé tout à l'heure. Les Elasmosaures, j'aime beaucoup ces animaux, ils sont vraiment très gracieux. Mais non, franchement, les choix qui ont été faits, je peux pas laisser passer, c'est pas possible. Donc non, pour moi, ça m'a vraiment trop refroidi, 8,5. Bon, c'est déjà mieux qu'un 5, hein. On a qu'un 5 sur 20, c'est bien. Comme quoi, ça rattrape. Mais bon, j'essaie de faire sauver ça comme je peux. Karcha, du coup, justement, est-ce que ça va aller? Moi, ça va aller, le documentaire un peu moins. Je vous préviens, je vais être extrêmement sévère. Je pense pas être plus sévère pour un autre épisode. Alors, épisode aux F sur 20. Tu me l'enlèves, tu l'effaces de l'existence, ça ne change rien à ma vie et à la paléontologie, je pense que ce serait même encore mieux. Je me suis rarement autant fait chier devant un documentaire, parce que, au moins dans les documentaires où, voilà, un peu les dangers du dinosaure, c'est tellement absurde que tu rigoles. Là, en fait, c'est même pas dans l'absurde, c'est juste dans le fou. Je rigole pas quand je regarde ça. J'étais à deux doigts de m'endormir, j'ai failli arrêter l'épisode aussi, à peu près à 5 minutes, avec les raptors. Donc, voilà, niveau fond, il n'y a rien qui va. Les T-Rex, c'est n'importe quoi. Les Elasmosaures, c'est n'importe quoi. Le Quetzal, c'est celui qui s'en sort le mieux, mais pas ouf non plus. Masiak Azorus, tu l'appelles Ajajorus, qui n'existe pas, ça serait pareil. Donc le fond, je vais mettre 1 sur 10. Et la forme, je vais mettre... Alors, j'hésite entre 0,5 et 1. Ah ouais. Parce qu'à un moment donné, les graphismes, bah, j'en fais abstraction, parce que si c'est ça, bah, forcément... On mettra toujours des super notes. Mais à un moment donné, déjà, les graphismes dans cet épisode, il y a des moments, c'est dégueulasse. Hein, les espèces de plans CGI de certains paysages, ça décolle la rétine plus que la saison 4 de l'Attaque des Titans. Et en plus de ça, bah, le fait de refaire des copier-coller, à un moment donné, moi, ça me saoule. Je veux bien qu'ils aient pas, voilà, comme j'ai dit, du budget, etc. Mais dans ce cas-là, tu retires des animaux et tu fais mieux les autres. Il n'y a aucune excuse là-dessus. C'est n'importe quoi. Tu vois, je mets limite... Allez, je vais mettre 1, parce qu'il y a la voix française qui, je trouve, est mieux que David Attenborough sur cet épisode-là. Donc, je passe 0,5 à 1, et ça me fait 2 sur 20. Je suis même à 2 doigts de mettre 1, mais non, allez, de vraiment 2 sur 20. Mais cet épisode, je le déconseille à tout le monde, et j'espère que personne d'autre va le regarder, et que les prochains seront meilleurs, surtout. Mais arrêtez avec Prehistory Planet, ne faites pas de deuxième saison, c'est pour faire des épisodes de ce calibre-là. Ça ne sert à rien. Ceux qui mettent en estime Prehistory Planet, etc., regardez bien l'épisode et je pense que vous avez changé d'avis parce que c'est une ignomie, vraiment une ignomie. Niveau rythme, il n'y a rien qui va, c'est des sources qui sortent de n'importe où. Et je pense que je vais me calmer, sinon je dois reprendre le glaçon à Edouard. Mais voilà, 2 sur 20, ça sera ma note finale. Et estime-toi heureux que je ne l'ai pas regardé en VO, sinon ça aurait été 1 ou 1,5. Bon, on remercie le doubleur VF dont je ne connais pas le nom. Moi non plus, mais il est mieux que David Athènes Dutronc. Est-ce que c'est pas facile finalement de faire mieux? Si, c'est clairement facile de faire mieux. Voilà, désolé Alexis, c'est une balle perdue. FL, à ton tour. Oh pauvre. Globalement, j'ai quand même... Dès la première fois que je l'ai vu, j'étais très très déçu tout de même par l'épisode. Alors, ce qui m'avait le plus déçu dans l'épisode, là, au premier visionnage, je vais être honnête, au tout premier, moi, c'était vraiment les T-Rex. J'ai absolument pas supporté le côté... le tyrannosaure, regarde les amoureux, il monte sa gorge. Bon, bref, ça, on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi c'est pas du tout intelligent. J'ai l'impression, alors je sais pas, mais on dit dans le monde du cinéma que Quentin Tarantino, c'est un fétichiste des pieds parce qu'il fait beaucoup de plans sur les pieds. Ce qui est peut-être vrai, j'en sais rien. C'est vrai qu'effectivement, il fait beaucoup de plans sur les pieds.
Moi, j'ai l'impression que dans Prehistoric Planet, il y a du fétichisme sur les coups de dinosaures. Parce que ça commence à faire beaucoup de dinosaures, enfin, et d'animaux de manière générale, dinosaures, et pas que, justement, qui montent leur cou, là, ou qui se redressent, là, je sais pas. Ils ont un problème dans leur tête, ou je... What the fuck? Donc, c'est chiant. Donc, alors, sur le fond, donc, avec tout ce qu'on a dit qui allait pas, et ce qui allait à peu près, et ce qui aurait pu être bien, sur le fond, allez, c'était assez sympa, Quetzalcoatlus, mais bon, il a la vie de famille, le nombre de bébés et tout, ça, on s'en fout. Encore une fois, expliquez-nous des trucs intéressants que les scientifiques ils ont pu découvrir sur l'animal, ce serait mieux, s'il vous plaît. Là, on va partir sur un petit... un petit 1 point Quetzalcoatlus. Il montre des élasmosaures du coup dans la flotte. Bon, là c'était la dernière partie qu'on a eue. J'aurais dit 2 points, mais bon, vu que c'est en partie raté, on va mettre qu'un point aussi. Vélociraptor, on va mettre 0,5 points parce que ben juste il est beau. Mais bon, après voilà, le fait qu'il chasse, c'est que bon, oh là là, attention, il est tombé, mais il est pas mort. T'as vu, la vie elle est belle. Voilà, ça passe pas. Donc je suis à combien? Je suis à 2,5 là. Oui. Deinocherus 0,5 parce qu'ils ont mis un Deinocherus, mais bon, après voilà, pareil, je suis pour ce qu'ils en montrent et comment il est fait, je suis pas j'accroche pas, et je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Masakiazorus, on va pas déconner, il a pas de points parce que voilà, vous l'avez bien expliqué. Faut en retirer pour le Masakiazorus. ouais, donc là bah je vais m'arrêter là pour là, donc ça fait quoi, ça fait 3? Oui. Globalement, ouais, le docu, il est beau comme d'habitude, plan, tout ça, mais bon, ça on l'a déjà dit, et ça peut, malheureusement, j'ai envie de dire, il y a déjà 2 épisodes qui sont passés à dire ça, donc bon, grosso modo, pour la forme, je trouve que la narration, encore une fois, c'est pas naturel, je suis désolé, il y a plein de trucs, c'est voilà, tu sens l'anthropomorphisme derrière, tu sens que c'est un humain qui te raconte une histoire et pas qu'on te montre au contraire des animaux qui agissent. Tu me disais, ça se ressent là. C'est dans l'épisode d'avant, j'avais parlé de la scène western, et ben là, ok, il y a pas la scène western, mais là, c'est encore pire parce que là, il y a plusieurs scènes qui font ça. Je suis à combien? Je suis à 3 là. Oui. Je suis à 3. Ouais. Allez, ben, je vais mettre 2 points du coup là pour la forme, parce que ben, je vais pas mettre des points pour quelque chose qui est beau alors que j'ai déjà dit avant que c'était beau, que ça change rien. La narration, elle est vraiment mauvaise, elle me tape sur le système, donc je vais mettre 2, et puis on va dire que 5, ça sera largement mérité pour cet épisode. Et quand on se rend compte que 5, c'est actuellement... Alors c'est peut-être la deuxième pire après le Statue des Toits. Aïe. C'est pour dire le niveau de l'épisode, cher peuple. Et Venator, vas-y, sauve-nous. Pour le fond, comme vous l'avez dit, pour moi, le fond, ça vole pas plus haut que 3. Hein. Là, c'est assez catastrophique. Et pour la forme, d'habitude, je remonte avec la forme. Hein, sur ce documentaire-là, avec la forme, ça remonte beaucoup. Et 3 joies. Et là, pour le coup, cet épisode, c'est l'exception à la règle. Pour la forme, c'est... il y a trop de problèmes. Hein, comme disait Valéo, et ça, c'est qu'un seul exemple, encore une fois. Les crabes actuels au Crétacé supérieur, là, et qui en plus sont en eau douce. Et dans le premier épisode, on avait eu le même bordel avec les calmars de récif à grandes nageoires au Crétacé supérieur. Là. Enfin bref, pour moi, ça, la forme, il y a trop de problèmes, il y a des problèmes partout. Avant, il y a... Dans les épisodes précédents, à chaque fois, la forme, elle concentrait les problèmes à un seul endroit. Et sinon, les autres, ça passait. Mais là, c'est trop éparpillé. Et du coup, pour moi, la forme, c'est aussi 3. Du coup, 3 et 3, bah, ça fait 6, hein, si j'ai pas redoublé ma primaire. Voilà. Je pense que ça devrait aller à peu près. Donc... Voilà. Nos calculs de moyenne sont plus intéressants que l'épisode, je tiens à dire. Ça, c'est pas faux. Aïe. Bon, bah, faut bien finir quelque part. Et bon, ça va finir avec moi. Cet épisode, je lui mets 15, parce que... Non, en vrai, je suis pas loin. Je suis pas loin quand même du... J'étais entre 13,5 et 14. Non, j'ai dit que j'étais l'avocat du diable. Arrêtez tous de m'engueuler en commentaire, je vous vois. Non, encore une fois, c'était le moins. Pour moi, c'était le meilleur. Parce que bon, c'est déjà pas très haut le reste. Le montage, parce que l'être ardu.
T'as pas qu'à dire n'importe quoi aussi. C'est vrai. Non mais encore une fois, je trouve que niveau spéculation, vraiment n'importe quoi, et qu'il y aura des répercussions, pour l'instant je pense que c'est le moins pire, que les dinosaures globalement ça va, tu vois. Je dis ça par rapport notamment au Mononychus, au Dreadnoughtus, et au Barbare Dactylus de l'épisode précédent. Là ça va, tous les dinosaures sont globalement bien, même si bon, sauf deux, hein, sauf Massiacazor, et je mets quand même des Nokérus dans le tas, parce que... La toison, c'est pas possible. Attends, tu sais quoi ? Non, je crois que je vais baisser encore un peu. C'est quoi ? Je pense que mon épisode préféré il va quand même avoir une note moins bonne que le premier. Et puis tu lui donnes genre un 12. Ah, ça va pas être mal. Parce que clairement, oui, c'est beau. Et maintenant, ça devrait être bon. Hein. Maintenant, on comprend que c'est beau. Mais si c'était pas si beau, hein, finalement, il y avait des trucs un peu. Non, j'ai pas du tout un pistolet sur la tempe. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Non, voilà. C'était beau. Les dinosaures, ça va encore, mis à part Masiacazor et Deinocherus. Ils sont relativement bien faits. Je pense pas qu'il y ait des effets particulièrement violents sur les gens après cet épisode. Donc ouais. Si, je dois quand même rajouter un petit truc. Il y a quand même des bestioles qu'ils auraient dû ajouter. C'est les crocodiles. Hein, c'est un épisode sur l'eau douce et il n'y a pas de crocodiliens. J'aurais vu des poissons aussi. Ouais, et des poissons. Voilà, des lépisostés ou des trucs comme ça. C'est pour ça que faire une scène avec des cératopsiens traversant une rivière à l'image des gnous actuels avec des crocodiliens, ça aurait été bien, quoi. Exactement. Ah, carrément. Ça manque. Donc, il n'y a pas de continuité. Je ne demande pas non plus Mahjonga Sucus, tu vois, qui buvait à peu près en même temps que Masiacazor, tu vois. Ou alors en fond, on le voit en présentation. Mais ouais, non. Je m'attendais clairement à du crocodile. Je suppose qu'au Maastrichtien, c'est pas ça qui manque. Oui, il y a plein de choses. Hein. Du coup, c'est dommage. Il n'y a pas de croco. Désolé, Stevie Irwin, c'est pas pour toi cet épisode. En fait, ça résume à l'épisode, c'est qu'il y a des. Ils auraient pu faire tellement mieux. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Vraiment, hein, tu changes tout, t'as un meilleur épisode. Bah, c'est un peu. Ouais, bah, non, tu changes tout, t'as un meilleur épisode, oui, ça paraît pas mal. c'est ça, Kershaw, oui. Voilà. Et c'est donc sur ces mots éloquents, finalement, que nous terminons cet troisième épisode de Préhistoric Planet. Donc, bon, j'espère que vous avez apprécié. Alors, j'aimerais bien des retours, parce que j'aime bien les retours sur les podcasts de Préhistoric Planet. Je les lis avec attention, donc je n'hésiterai pas à vous répondre. On se retrouve la prochaine fois, toujours, pour le quatrième épisode. Alors, je ne sais pas si on va le faire, parce que bon, je pense que cet épisode vous a vraiment tapé, hein, finalement. Clairement, ça vous a bien refroidi. Et justement. Iceberg oui, Iceberg, et justement, on restera dans le thème, parce que l'épisode 4. Se prénomme Ice World, monde de glace. Oh là, la transition, c'est un foreshadowing depuis le début avec le glaçon. Gros cerveau, tu vois, on avait déjà prévu dès le début. Ouais, attention, Jon Snow va arriver. Qui se passera sur la chaîne de la Paléosphère. Je remercie tous les incroyables personnes, je sais pas conjuguer, toutes les incroyables personnes qui ont participé à ce podcast. Merci Karcha, merci Edouard, merci Val, merci Venator et merci FL Reptile. Et on se retrouve la prochaine fois dans un autre Parlons Peu, Parlons Pâle. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sauvages. Salut et bon courage. Salut, salut tout le monde. Et portez-vous bien. À plus.